Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'aimerais très rapidement vous entretenir pour quelques minutes. Voilà, je ne voulais pas faire de direct, mais j'ai un jeune frère qui m'a envoyé une vidéo. Et je voulais, avant de sortir, m'en occuper rapidement pour ne pas que j'oublie. Et donc, je vais donner le conseil rapidement par rapport à ce que j'ai vu. Voilà, donc partagez cette vidéo-là rapidement. Je vais rapidement en parler parce que je ne voulais pas. Voilà. Excusez-moi, puisque je dis que je ne vais pas durer, puisque je suis pris par le temps. Donc, on va. Nous avons également notre frère, on a un frère qui est actuellement gravement malade, comment dirais-je, au Maroc, qu'on appelle Maître, c'était un jeune ivoirien, que d'aucuns peut-être ont connu. Donc, on va rapidement voir sa vidéo, avant que je puisse, avancer avec le dossier que je vais exploiter. J'aimerais donner ici, j'aimerais parler à un jeune frère qui pense que, c'est de la rigolade, c'est que nous sommes en train de déplorer. Voilà, nous sommes en train de déplorer. Voilà, je vois que, voilà, c'est quelqu'un que j'aime bien, puisque je l'ai une fois croisé ici à Paris, donc c'est quelqu'un que j'apprécie bien. Mais je vois qu'il s'en prend vraiment directement au peuple du Burkina, et puis le peuple du Niger et autres. Et donc j'ai trouvé que la vidéo m'a été envoyée de suite, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé. J'ai trouvé qu'il faut que je lui parle. Je lui parle ici pour qu'il puisse se concentrer. C'est pourquoi il est en train de se battre. C'est-à-dire que sa comédie, ou bien son, le domaine de prédilection qu'il a choisi au niveau de Facebook, c'est important. Voilà, s'il a choisi d'être comédien, qu'il le soit. Mais on ne joue pas avec la vie des êtres humains. On ne joue pas avec la vie des gens. Et également, on n'insulte pas le peuple. On ne dénigre pas le peuple. On ne les sabote pas. On ne veut pas sur la toile pour les traiter de tout et de rien. Je trouve que ce n'est pas bien. Voilà pourquoi je vais parler à ce jeune frère que j'aime beaucoup. Et lui dit que j'ai vu une de ses vidéos. J'ai vu une de ses vidéos il y a de cela quelques temps où il n'a pas hésité à expliquer que, il avait fait venir une voiture en Côte d'Ivoire. Et donc il avait fait venir cette voiture en Côte d'Ivoire, mais il a eu des problèmes au niveau de la douane. La douane était très chère tout. Mais il ne peut pas critiquer. S'il critique, il va partir en prison. Et donc, il avait dit que s'il critiquait, il va partir en prison. Quand on est dans un état de droit, on critique et puis on n'a pas de problème. Quand on est dans un état de justice, on peut critiquer et on ne va pas en prison. Et donc, dans l'instant, toi-même, tu dis qu'on ne peut pas critiquer. Et si on critique, on va partir en prison, c'est que vraiment, il y a un problème. Voilà. Donc, ça veut dire que toi-même, tu sais que tu es dans ton pays. Ça ne va pas. Et donc, il faut le comprendre aisément. Donc, je vais très rapidement vous montrer une vidéo. Une vidéo d'un frère ivoirien qu'on m'a envoyé d'abord. On va d'abord écouter cette vidéo là avant que je puisse. Il y a un frère ivoirien qui était dans un groupe ici, la toile. Aujourd'hui, il est mourant au Maroc. Si rien ne fait, il va perdre la vie. Et donc, on va finir d'abord. On va écouter cette vidéo. Ça dure 42 secondes. Et après, je vais prendre 10 minutes. Pour parler à ce jeune frère là, que quand il demande qu'ils aillent tuer les Nigériens, je pense que ceux qui vont partir au Niger là, il y aura un membre de ta famille. Je pense que il y aura des parents de ta famille, des amis proches qui sont dans l'armée ivoirienne. Et quand ils seront envoyés là-bas, quand tu vas apprendre que la personne a été tuée, j'aimerais voir ta réaction. Donc, je te parle ici en tant que grand frère. Donc, je vais te parler ici parce que vous avez tendance souvent à vouloir parler, à rentrer dans certaines considérations qui vous dépasse. Voilà. Et ce sujet-là, ça vous dépasse. Donc, quand, c'est pas avec tout on joue. C'est pas avec tout on rit. Voilà. C'est pas avec tout on joue. C'est pas avec tout on rit. Aujourd'hui, il y a un peuple aujourd'hui qui subit un embargo sans précédent. Même les médicaments sont interdits. Il y a plus, même des vivres sont interdits. Donc, faut pas ironiser avec, n'est-ce pas, sur le malheur de quelqu'un. Le peuple nigérien n'a pas demandé que M. Tchani aille faire, n'est-ce pas, renverser Bazoum. Et 27 millions, n'est-ce pas, les Nigériens ne peuvent pas payer les prix parce que on prenait un seul individu. Et donc, quand on ne maîtrise pas les enjeux, il va falloir, n'est-ce pas, souvent, c'est très important. Souvent, le silence est d'or. On va d'abord écouter ici, on va d'abord voir, la vidéo de notre frère qui est présentement malade, au Maroc. Et la vidéo m'a été envoyée. C'est un message très important à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Maroc. Également à Mme Kadia Kamisoko Kamara et au chef de l'État, M. Ouattara, et son gouvernement, Patrick Hachi. Et à tous les Ivoiriens et les bonnes volontés. Vous savez que ceux qui sont sur la toile depuis longtemps, on appelle Maître, il y a actuellement au Maroc, on va ici
Voilà. On va essayer d'écouter la vidéo. Écoutez-le. Je suis en train de mourir. Pardonnez-moi. Je suis très malade. Je suis en train de beaucoup malade. Mon cœur, mon foie, mon rein, mes poumons sont tous infectés. Aie pitié et ne m'en aide. Je lance un grand appel à tous les Ivoiriens, à tous les Africains. Excellence, Monsieur le Président de la République, je vous pardonne. Monsieur le Premier ministre, Hachette Patrice, pardonnez. Venez m'en aider, je vous en supplie. Ne me laissez pas mourir. Voilà. Et donc, frère, tu as vu, là, c'est un sujet que moi, je te conseille de l'exploiter. Voilà, parce que comme si, peut-être que souvent, il n'y a pas de sujet sur la toile. Et que bon, on s'ennuie et puis il faut faire tourner la machine. Et comment dirais-je, à monétisation. Voici un sujet, c'est un Ivoirien qui est aujourd'hui dans une situation très difficile en prison au Maroc. Actuellement, vous avez vu les menottes même sur sa main. Il est malade, il a problème de foie, il a perdu tout le monde de secours. Je pense que si on a pas de sujet et qu'on veut de la visibilité, je pense que ça, au moins, on peut au moins l'exploiter. Mais il ne faut pas venir sur le buzz. Et comment dirais-je, c'est pas un buzz ce qui se passe au Niger. C'est quelque chose de vital. Voilà, donc on va embrayer, n'est-ce pas, rapidement sur ta vidéo. Et puis après, je vais te parler. Partagez, invitez vos amis. Merci. J'ai fini avec, pour le moment, avec le dossier de notre jeune frère. Je vais en parler tout à l'heure. Et je vais d'abord, je veux que vous écoutez un petit peu le jeune frère. Et puis après, je vais lui parler. C'est Touré qui l'a enlevé. C'est la voix du peuple. Lui aussi, il voulait être la voix du peuple. Lui aussi, il a enlevé Roch Marc Kabore. Voilà Roch Marc Kabore. Voilà, c'est lui Damiba enlevé. Lui aussi, c'est le seul qui est venu avec élection. Petite élection comme ça. Il est venu s'asseoir. Damiba l'a enlevé. Damiba l'a enlevé. Pour l'enlever d'Amiba. Ça, c'est la voix du peuple. On continue par la voix du peuple. Le peuple a besoin d'un souffle. Avant que Roch Marc Kabore ne remporte sa petite élection-là. Regardez le brouhaha qu'il a eu. Regardez le brouhaha. Écoutez bien. Transition, coup d'État, intérim, transition. Avant le brouhaha qui était là, Blaise Compaoré, son excellence, l'ex-président. C'est dans ma bouche, je voulais me voir piment, oui. C'est son excellence Blaise Compaoré, l'ex-président. Lui aussi, c'est le brouhaha là qui l'a enlevé. C'est le brouhaha là qui l'a enlevé. Mais lui, avant d'être enlevé, il a forcément enlevé quelqu'un. C'est le Burkina où? C'est la ligne éditoriale du Burkina. Toujours ils veulent un vent nouveau, un souffle nouveau. Donc, il a envoyé un souffle nouveau. Ceux qui attendaient, vous montrent. Connaissez la figure nationale. Donc, c'est le brouhaha qui a enlevé Compaoré. Compaoré a enlevé lui-là. S'il a été enlevé, c'est que lui aussi, il a enlevé quelqu'un. Je vous montre qu'il a enlevé. Bon, lui, c'est Thomas Sankara. Voilà, le digne fils de l'Afrique. Le seul président du monde mondial. En tout cas, lui aussi, il a enlevé quelqu'un. Je vous montre qu'il a enlevé. Donc, comme vous le voyez, regardez, Thomas Sankara, coup d'État. Coup d'État, ce qui est Jean-Baptiste Ouédraogo. Jean-Baptiste Ouédraogo, coup d'État. Coup d'État, ce qui est Zerbo. Donc je reprends. Compaoré Frampon Thomas. Thomas Frampon Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Frampon Zerbo. Et regardez, Thomas a fait un an seulement. Et Zerbo, il a fait 8 mois seulement. Et non, c'est Zerbo qui a fait 8 mois. Jean-Baptiste a fait 8 mois. Zerbo, il a fait 1 an. Mais comment on va? On va où avec tout ça? On va où avec tout ça? Et il y a des gens qui ont des leçons à donner à la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ont des leçons à donner à notre président de la République. Koupatati, koupatati. Voilà, jeune frère, je m'arrête là. J'espère que tu vas bien quand tu vas voir cette vidéo-là. Tu sais, tu ne fais pas de la politique. Voilà, tu ne connais pas la politique et tu ne connais pas les enjeux, les tenants et les aboutissants de la politique. C'est important. Tu as pris un sujet qui te dépasse. Parce que là, je viens te montrer que le Burkina n'est pas à la tête des coups d'État en Afrique. Le Burkina n'est pas à la tête des coups d'État en Afrique. Et tu dis qu'il y a des gens qui veulent donner des leçons à notre président, à votre président. Il est également mon président de Côte d'Ivoire actuellement. Je n'ai pas le choix. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, il va falloir donner des leçons chez nous d'abord en Côte d'Ivoire. C'est important.
Chez nous, en Côte d'Ivoire, là, nous avons un problème. Au Burkina Faso, là, il y a eu coup d'État, c'est Damiba, coup d'État même de Ibrahim Traoré, sans effusion de sang. Il n'y a pas eu de mort. C'est-à-dire que certains Ivoiriens qui veulent s'ériger en donner des leçons dans d'autres pays, là, vraiment, il y a un souci fondamental. La fois dernière, tu as fait une vidéo où tu as dit que tu as fait venir une voiture en Côte d'Ivoire. Et tu as payé très cher. Ça t'a coûté, n'est-ce pas, la peau des fesses. Mais tu peux parler. Si tu parles, ils vont te mettre en prison. Je reprends. Tu dis que si tu parles, ils vont te mettre en prison. Ça veut dire que tu as peur de parler. Ça veut dire que tu ne peux pas payer. Et ça, mais dans ton propre pays, tu as fait venir un véhicule. Et puis toi, tu ne peux pas parler. Mais si tu parles, ils vont te mettre en prison. Tu l'as dit dans ta vidéo. Par exemple, ma voix, j'ai écouté, sans problème. Donc, ils vont te mettre en prison. Mais pourquoi tu ne peux pas parler? Ben, tu sais qu'en Côte d'Ivoire, mais tu dois. Il y a des critiques là. Tu ne dois pas faire. Si tu le fais là, ils vont te fermer, ils vont te verrouiller. T'as même tu le sais. Très bien. Tu as vu comment ils ont verrouillé Arafat ici, jusqu'à ce qu'il est mort. Et t'as même tu sais très bien. Donc, quand vous ne pouvez pas perdre le sujet, il faut vous les mettre dans de terre. Dans mon pays, ton pays, la Côte d'Ivoire, il y a eu un troisième mandat. J'espère que tu es au courant de ça. Hein. Il y a eu un troisième mandat. J'espère que tu connais Cissé Bakongo. Je vais te faire un peu la politique. Puisque tu veux faire la politique là, je vais t'expliquer un petit peu la politique alors. En Côte d'Ivoire, il y a eu un troisième mandat de ton président que tu chéris là. C'est notre président à nous tous là. Mais je vais t'expliquer un petit peu. N'oublie pas qu'il y a actuellement un troisième mandat de consommer en Côte d'Ivoire. Et ce troisième mandat est consommé en Côte d'Ivoire. Attends, j'ai bloqué ici là des farfelus ici. Voilà. On va t'écouter. Hein. La partie même qui m'a fait sortir, c'est pas parce que tu as critiqué un petit peu mais comment les Burkinais et autres. C'est la partie où tu demandes qu'il faut qu'ils aillent attaquer le Niger. Et puis après, on verra. C'est-à-dire que pour toi, c'est de l'amusement. Pour toi, c'est du jeu. Alors que ce n'est pas du jeu. Voilà, ta liberté d'expression, oui, mais il ne faut pas confondre liberté d'expression et libertinage d'expression. Il ne faut pas également, ce n'est pas du buzz. C'est une question de vital, comme je l'ai dit tantôt. Et donc, la partie qui m'a interpellé dans ta vidéo, je t'ai fait écouter. Et j'ai ouvert une parenthèse afin de pouvoir te parler sur des points. Chez nous, dans mon pays, ton pays, la Côte d'Ivoire, en 2020, il y a eu un problème gravissime. Il y a eu beaucoup de morts. Je sais que tu es au courant de ça. Nous, là, quand nous avons décidé de dénoncer le troisième mandat de M. Ouattara, c'est parce que il y a des personnes que tu connais très bien. Je prends ici Cissé Bakongo. Je prends ici Sassan Kambilé. Je prends ici Ouaga Obu. Je prends ici Jacqueline Obu. En 2016, M. Ouattara a demandé à ces personnalités-là, ces juristes, éminents juristes, d'écrire une nouvelle constitution. Cette constitution a été écrite. On a vu Cissé Bakongo et le ministre de la Justice partout nous dit que la constitution actuelle de Côte d'Ivoire ne pas permettre à M. Ouattara d'être candidat. Il a convaincu les Ivoiriens. Il nous a convaincu que oui, effectivement, il n'a pas fait le troisième mandat. Et donc, nous avons compris, dit, effectivement, c'est bon, on va voter, n'est-ce pas, la constitution. C'est même convaincu la constitution, hein, c'est eux qui l'ont dit. Et donc, on a été surpris de voir qu'en 2020, M. Ouattara décide, malgré toutes les assurances, malgré toutes les garanties que les juristes ont dit à la face du monde, les vidéos sont sur YouTube, je sais que tu l'as vu, mais tu n'as pas voir ça. Et donc, il nous a expliqué ça. On dit, mais attends, il y a un problème. Il y a une supercherie, il y a un mensonge à quelque part. C'est même que la constitution de Côte d'Ivoire, on dit qu'il ne peut pas être candidat. C'est même que la constitution de Côte d'Ivoire. Mais par quelle alchimie il peut être candidat? Parce que c'est lui qui a nommé le président du conseil constitutionnel, toutes les arcanes, toutes les institutions, c'est lui qui les a nommés. On a vu qu'il y a eu un troisième mandat validé en Côte d'Ivoire. Et mieux, il y a eu beaucoup de morts. Et il y a un monsieur qui s'appelle Toussaint Kofi. Et tout ce Kofi là, quand tu entends son nom là, ça veut dire qu'il est de ton ethnie. Il est de ton ethnie. Il s'appelle tout ce Kofi. Il est de ton ethnie. On l'appelle tout ce Kofi. Et donc, tout ce Kofi là, il a été décapité en Côte d'Ivoire. Sa tête, là, ils ont pris pour jouer au football avec ça. Faut pas t'amuser avec ça, jeune frère. Ils ont pris la tête de tout ce Kofi. Ton frère, quand même ton propre frère. Ils ont joué du football avec sa tête. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire en 2020. Il y a eu près de 100 morts. Et ça a été validé. Il y a eu seulement un seul candidat face à M. Ouattara. Ton président que tu chéris, là, c'est mon président ici également. C'est le chef d'État de Côte d'Ivoire. Mais il faut expliquer les faits. Il ne faut pas aller se vendre ailleurs, alors que chez nous, on a un problème, on a un contentieux qu'on n'a même pas encore vidé. De 2020, qui n'est pas encore vidé. Et donc, comment dirais-je, il y a eu un troisième mandat validé. Un mandat mortifère et meurtrier. On a vu ça ici. Les Ivoiriens ont dénoncé. Tu es d'accord avec moi? Et donc, quand tu viens comparer ça avec ce qui s'est passé au Burkina, mais quand ça ne va pas dans un pays, le peuple a un droit de demander un changement. Même aussi, ici en France, là,
Quand ça ne va pas là, les gens sortent dans la rue. Putain, mais tu viens ici en France, tu sais très bien. Les gilets jaunes sont sortis de la rue plusieurs fois. Ils ont failli même marcher sur l'Elysée. Il y a eu même une tentative de coup d'État qui est parce que c'est pour qu'on se fait même. Il y a un monsieur qui est resté dans un pays là où il a demandé que l'armée se soulève contre Macron. Il y avait un plan mais qui était déjà géré. Il a été arrêté puis extradé ici en France. Ça s'est passé même pas 2 ans ici en France. Et donc, concernant les coups d'État, je vais te montrer la liste des pays où il y a coups d'État. Où il y a eu beaucoup de coups d'État. C'est pas au Burkina. C'est pas au Mali. C'est pas ça. Je vais te montrer les pays. Parce que comme tu n'es pas. Viens mettre un peu ton disque, ne sais pas comment dirais-je ton disque à jour. Concernant les, parce que comme tu es venu de la politique et tu veux mélanger les patates, les ignames et les maniocs, et donc tu ne maîtrises pas le sujet, je vais t'envoyer une petite balle. Parce que quand tu aimes quelqu'un, il faut savoir dire la vérité à cette personne-là. Toi et moi, on s'est croisés à Paris. On s'est croisés une fois, on s'est croisés. Voilà, tu es quelqu'un de bien, de sympa, de jovial. Mais il faut faire très attention parce qu'on ne sait jamais dans la vie. On ne sait absolument pas dans la vie. Tu es talentueux, tu es dynamique. On ne te connaît pas sur le terrain de la politique où tu vas te mettre à dos des personnes. Faut pas inciter des peuples, c'est pas bon. Faut pas rentrer dans certaines considérations. Parce que c'est leur politique intérieure. Et tu vas, quand tu t'apprends, tu t'attaques, comment dirais-je, à leur président, certains ne comprennent pas. Ils vont te garder dedans. Faut faire très attention. Nous sommes dans un terrain très glissant en politique. Moi, ça me vaut l'exil. Je peux pas rentrer dans mon pays encore à cause de ça. Donc, il faut faire très attention quand tu veux te mettre en politique. Tu as des fans burkinabés, tu as des fans maliens, tu as des fans nigériens. Quand tu appelles qu'on aille tuer les, qu'ils aient attaqué le Niger, là. Mais il y a des fans là-bas au Niger. Il faut se retenir. Il faut s'abstenir. Il s'est un point. Surtout quand on est artiste, quand on est dans un autre domaine, on n'est pas politicien. Tu n'es pas peut-être dans la politique. Tu as ton droit de critique. Si tu veux, tu veux laisser la comédie, viens faire la politique. C'est important. Si tu trouves que tu es fatigué là où tu es là, où il n'y a pas de sujet là. Il y a des vidéos qui sont là en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, que tu peux dénoncer ta voiture même que tu as envoyée en Côte d'Ivoire, Lili Kona, et qu'ils t'ont facturé ça très cher là. Mais tu peux dénoncer ça. Mais tu peux dénoncer. Mais si tu le fais aujourd'hui, ils vont te mettre dedans. Comme toi-même, tu l'as dit. Donc, quand tu ne peux pas critiquer même dans ton propre pays, il ne faut pas te donner cette latitude là d'aller critiquer dans d'autres pays. Si eux aujourd'hui, ils ont des problèmes au niveau sécuritaire, mais si tu ne connais pas la situation politique au Burkina, je vais t'expliquer un petit peu. Voilà. Concernant le coup d'État contre Damiba et contre Roch Marc Christian Kabore, qu'est-ce qui s'est passé? La situation sécuritaire était délétère. Le Burkina étant en voie de disparition. Les politiques qui sont au pouvoir, ils ne pouvaient pas contrer, n'est-ce pas, l'insécurité. Ils ne pouvaient pas contrer, n'est-ce pas, l'avancée des terroristes. L'armée était très mal équipée. Et donc, le pouvoir qui était en place était incapable, était dans une incapacité et avait une incompétence notoire. Et l'armée, et comment dirais-je, le régime en place n'avait pas la volonté, pas de politique, de pouvoir, comment dirais-je, engager massivement des fonds afin de pouvoir armer, équiper efficacement l'armée. Et donc, l'armée a décidé qu'il ne peut pas aller mourir comme il ne peut pas servir de chair à canon, aller se faire tuer, se faire caillarder comme des lapins au front. Ils ont décidé de pas de déposer des politiciens incompétents. Et ça a du ressort du peuple burkinabé. Et donc, ceci étant dit, Damiba n'était pas dans la même prolongation de cette dynamique-là, d'armée et de surarmer l'armée, afin de pouvoir contrer les djihadistes qui sont hyper armés. Vous avez vu ici que c'est devant vous, sous votre gouverne, ici en Côte d'Ivoire, et chez nous en Côte d'Ivoire, que les armes qui ont été achetées par les Burkina ont été bloquées. Les Burkinabés n'avaient absolument rien. Ils ne pouvaient même pas avancer face au terrorisme. C'est un pays qui souffre beaucoup. C'est un pays qui n'a pas demandé que les terroristes viennent habiter chez eux. Ça a été envoyé, c'est du fait de l'invasion de la Libye, qui a fait en sorte que ces malfrats, ces bandits armés, ont eu beaucoup d'armes. On a vu sur le président Ibrahim Traoré nous expliquer combien de fois ils ont des difficultés à acheter les armes avec les partenaires traditionnels. Ils étaient obligés de se retourner ou vers, comment dirais-je, d'autres pays afin de pouvoir acheter les armes moins chères. Là où on les vendait des armes à 800 000, ils paient maintenant à 150 000, à 100 000 francs les armes. Au niveau du Mali, concernant le coup d'État, mais ce n'est pas de gaieté de cœur que des Maliens ont fait un coup d'État. Il ne faut pas inciter l'intelligence des Ivoiriens, comment dire, des peuples, qu'on ne maîtrise pas la chose politique. Au niveau du Mali, le coup d'État du président Assimi Goïta puisse, n'est-ce pas, comment dire, son essence où? Ça puisse son essence où il y avait une contestation massive. Des milliers et des millions de Maliens sortaient chaque vendredi, chaque jour pour manifester comme le régime de Ibeka. Là-bas également, il y avait une situation compliquée, délétère, l'insécurité était grandissante. Et donc, Ibeka, au lieu de faire face à l'insécurité et les djihadistes, qui actuellement aujourd'hui, l'armée malienne est héritière également de ce qui s'est passé en Libye. Et donc, Ibeka, au lieu de penser à payer des armes pour équiper l'armée malienne,
Il a préféré payer pas des avions. Et on a vu que son fils, Karim Keïta, qui est actuellement réfugié en Côte d'Ivoire, passe son temps, qui était le président de la commission de défense du Mali, passe son temps dans les yachts, dans les jets privés, avec des femmes, comme on dirait, à Copacabana, à Monaco, en train de faire la bunga bunga. Pendant ce temps, les soldats maliens n'avaient pas d'armes au front. Les soldats maliens n'étaient pas équipés. Il faut le dire, le détournement des fonds, la gabégie, le népotisme, le vol des données publiques, les soldats maliens étaient sous-équipés. On a vu ici des soldats maliens qui s'entraînaient avec des armes en bois. Et puis ils criaient, bon, bon, bon. Nous, on se moquait d'eux ici. Mais cette moquerie, elle n'était pas de gaieté de cœur. Les soldats maliens partaient au front, ils étaient 10, ils avaient une Kalachnikov. Les soldats maliens partaient au front, c'est-à-dire qu'ils étaient des bouchers, quoi. Ils avaient des chairs à canon. Parce alors qu'il y avait un régime qui était là, qui était incompétent, qui ne voulait pas, l'armée est là, mais qui ne veut pas équiper, qui ne veut pas mobiliser les fonds pour, comment dire, pour équiper l'armée convenablement, afin de pouvoir contrer l'avancée des terroristes. N'oublie pas, ce qui a fait la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est qu'au Mali, il y a eu des élections législatives au Mali. Le parti de Ibeka a perdu les élections dans beaucoup de contrées. Et pour gagner, pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale, ils ont décidé de frauder. C'est-à-dire qu'ils ont inversé les chiffres dans beaucoup de régions afin de pouvoir avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Des personnes même qui ont gagné dans les urnes, à la proclamation des résultats définitifs, on a vu que le Conseil constitutionnel a validé des résultats même biaisés. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder les vases. L'Assemblée nationale a été attaquée par la population, pas par l'armée, par la population. L'armée s'est révoltée. Le peuple s'est révolté. On a vu ici des milliers de Maliens tous les jours dans les rues, non? C'était devant vous tous. Est-ce que la CDAO a initié une mission de bons offices afin de pouvoir aller faire asseoir Ibeka? N'oubliez pas, mieux, Ibeka même était soutenu par la CDAO pour réprimer, n'est-ce pas, les Maliens. C'est là que l'armée, qui est l'arbitre, est rentrée en jeu. C'est là qu'il y a eu le coup d'état de Assimi Goïta et ses camarades. Nonobstant, Assimi Goïta n'a pas accepté d'être président. Ils sont allés chercher quelqu'un, comme ils l'ont fait en Côte d'Ivoire avec Guy Robert. Ils sont allés chercher Bandao, un ancien militaire. Ils sont venus le mettre comme étant président. Bandao, qui a pris goût au pouvoir, a décidé de carter les Sadio Camara, ceux qui ont fait le coup d'état, pour placer lui-même ses propres gars, afin de pouvoir les livrer un jour à la justice. Ils ont pris vent de cela. Assimi Goïta, qui était le vice-président, est allé voir Bandao pour lui dire, si tu enlèves Sadio Camara, ça va poser problème au niveau de l'armée, parce qu'il est beaucoup aimé dans l'armée, et ça va poser problème pour votre sécurité. Mais dès l'instant, Assimi Goïta a fait cette médiation, a fait cette démarche pour parler au chef de l'État, au président Bandao. Il n'a pas compris. Et Bandao a décidé de passer outre. Il a fait un remaniement où il a enlevé les militaires. Ce qui plus est, comment dirait Sadio Camara, le ministre de la Défense. Chers frères, jeunes frères, sur le champ, ils ont demandé, Sadio Camara a demandé son arrestation. Il a été arrêté. Il l'a envoyé au camp de Kati. C'est-à-dire que moi, es-tu le gibier? Je t'invite chez moi et tu me chasses, mes enfants et moi, qui dis qu'on ne mange pas. Voilà ce qui s'est passé avec le cas du Mali. Pour ne pas qu'il y ait un bain de sang et pour ne pas que Sadio Camara soit, Bandao soit, neutralisé, Assimi Goïta est obligé de couper la part en deux, calmer les militaires qui étaient révoltés et également, déposer Sadio Camara, Bandao. Voilà comment Assimi Goïta devient président, chef de l'État du Mali. C'est important de le comprendre. Puisque si vous voulez être président, dès l'instant qu'il a fait le coup d'État, il allait s'asseoir. Mais ils sont allés chercher quelqu'un. Comme demain que les IB sont allés faire avec Guy Robert. Là. Et puis Guy Robert a voulu les tuer, les Agazaga, tout là, les Ouattaro, là. C'est la même chose qui s'est passé au Mali. Donc, je le ferai, voilà comment je t'explique. Maintenant, je vais avancer maintenant avec le cas du Niger. On va t'écouter ici, c'est important, sur le cas du Niger. N'oublie pas que chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a eu également coup d'État. Et plusieurs tentatives de coup d'État chez nous en Côte d'Ivoire. Il y a un seul qui a réussi. Mais chez nous, il y a eu plusieurs coups d'État en Côte d'Ivoire. Faut pas oublier, hein. Voilà, faut pas oublier que chez nous, il y a eu plusieurs tentatives de coup d'État. Il y a un seul qui a réussi. C'est important, c'est en 99. Donc nous aussi, nous sommes un pays de coup d'État. Et c'est important. Aujourd'hui, là, ce qui est important est de comprendre pourquoi le Sahel est en dislocation, est en insécurité. C'est parce que ils ont hérité d'une guerre abyssale, d'une guerre
propre ou un éclair ou bien chirurgical de l'OTAN là-bas. Et ça fait que ça, comment dire, ils ont assassiné Kadhafi et les bandes armées, les groupes armés ont pris le dessus sur les armées. Aujourd'hui, les armées qui se battent là, il faut les reconnaître. Dans les Sahel, il faut des hommes forts. Il faut des hommes forts. Si tu as la main faible, tu ne peux pas diriger un pays comme le Burkina, comme le Mali, comme le Niger. Tu ne peux pas parce qu'ils sont en proie aujourd'hui avec un terrorisme sans précédent. Ça fait plus de 10 ans que les gens ils se battent. Ce peuple a perdu beaucoup de personnes. Si on ne peut pas les aider, il faut arrêter de les narguer. Si on ne peut pas les soutenir, il faut arrêter de vouloir, se moquer d'eux. Ce n'est pas décent. Ce n'est pas, voilà. Chez eux, ils ont leur politique intérieure. Chez nous, nous en avons également. Chez nous, en Côte d'Ivoire, nous avons chez nous, à la tête de notre pays, un monsieur que tu appelles ton président, qui est notre président à tout le monde, là, de fait, là. Il a fait un troisième mandat. C'est aussi un coup d'État. Il faut quand même, moi je ne suis pas dans cette critique à géométrie variable. C'est-à-dire qu'on est incapable de critiquer le troisième mandat de M. Ouattara en Côte d'Ivoire, mais on veut donner des leçons à des personnes qui ont fait un coup d'État, un exemple au Niger, sans effusion de sang. C'est-à-dire que pour vous, quand un civil braque, capte, n'est-ce pas, le pouvoir d'État, lui c'est bon, il n'y a pas de souci. Et surtout, il y a mort d'homme. C'est vous également qui, avez soutenu le troisième mandat de Alpha Condé en Guinée. Parce qu'en Guinée, Alpha Condé a massacré le peuple de Guinée. Pas par dizaines, pas par vingtaines, par centaines. À Bambeto, à Sigri, à Cancan, partout. Mais on va écouter ici le président, l'actuel président de la Guinée-Bissau. Mais vous étiez où? Où étaient les donneurs de leçons pour dire non, il ne faudrait pas qu'il y ait un coup d'État. Parce que. Mais quand on dépose Alpha Condé en Guinée, on voit maintenant les donneurs de leçons dire non, les coups d'État ne sont pas bons. Mais quand Alpha Condé massacre le peuple de Guinée, vous n'étiez pas là. Vous venez dire à Alpha Condé, non, il ne faut pas massacrer le peuple parce que tu fais un troisième mandat. Parce que dès l'instant, vous voyez que c'est ce qui est quand même paradoxal. Et c'est quand même inconfortable de voir que tu te lances dans une affaire. Quand j'ai vu ta vidéo, j'ai dit, mais c'est pas lui qui a fait ça. Mais je me suis dit que c'était un gag. Mais après, j'ai vu que c'est pas un gag. Voilà, vous voulez vous ériger en défenseur de Ouattara. C'est ça qu'on appelle de l'hypocrisie. Parce que moi, sous le que tu vois là, moi, j'ai quitté le RDR depuis 2012. Et j'ai quitté avec raison. J'ai pas quitté le RADP en 2022, en 2015. J'ai quitté en 2012. Ça fait maintenant 11 ans. Et donc, je suis parti avec raison. Et donc, moi, j'ai aimé Alassane Ouattara. Moi, quand Ouattara était dans l'opposition. Donc, ceux qui aujourd'hui aiment Ouattara parce qu'il est au pouvoir, là, sont des opportunistes. Il y en a aujourd'hui, ils cherchent un parapluie. Parce qu'ils savent que quand ils vont parler du bien de Ouattara, ils pourront rentrer en Côte d'Ivoire, ils ne seront pas inquiétés, tout le tout. Voilà pourquoi ils le disent. Mais il n'y a pas plus mieux que nous qui avons aimé Ouattara. Voilà. On les critique certes en politique, mais son amour est dans mon cœur toujours. Je n'ai pas de haine contre ce monsieur, parce que je l'ai beaucoup aimé en politique. Ça, c'est menti. On dit qui aime bien, châtie bien. Donc, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que vous aimez Ouattara plus que nous. C'est pas possible. On les critique certes. Moi, je les critique. Et puis, je suis dur en critique envers Ouattara. Parce que c'est que moi, j'ai jeté mon dévolu sur lui. Mon espoir politique sur lui concernant la Côte d'Ivoire. C'est pas les ponts et les routes seulement. Même la réconciliation vraie. Penser les plaies des uns des autres. Une réconciliation sincère. Colmater, n'est-ce pas, les brèches. Tout ça, c'est pas le fait de faire un pont ou des routes. On va dire non, ce n'est pas ça. C'est au-dessus de cela. Notre approche, notre vision de la politique ne s'arrête pas, ne se limite pas à construire des échangeurs ou bien à mettre des ponts ou bien des routes. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Donc moi, je suis à un autre level. Donc moi, qui te parle aujourd'hui, ceux qui aujourd'hui sont en train de faire, non, mon président Ouattara, mais quand il était dans l'opposition, là, on ne voyait que dalle. Voilà. C'est même aujourd'hui, hier, que tu as dit Ouattara, c'était un Burkinabé. Ouattara, comment dirais-je, il peut être président de la République de Côte d'Ivoire. Ouattara... Mais en ce moment, nous, on le défendait. Nous, on était avec lui. C'est ce qui est important. Avant qu'il advienne au pouvoir en Côte d'Ivoire, nous étions avec lui dans les moments de braise. Même si aujourd'hui, nous sommes opposés à lui, là. Mais nous avons permis, nous l'avons aidé à son ascension au pouvoir en Côte d'Ivoire. Nous l'avons fait. Mais aujourd'hui, ceux qui sont les laudateurs d'aujourd'hui, les chantres d'aujourd'hui, les nouveaux amoureux d'aujourd'hui, qui trouvent que Ouattara est trop joli, il est trop beau, là. Mais c'est que étaient les grands profondeurs d'hier. C'est que étaient les grands profondeurs d'hier. Quand moi, j'ai su que j'étais pas dans une bonne posture, une bonne démarche politique, M. Ouattara, j'ai fait marche arrière. Donc, faut pas aujourd'hui se transformer comme étant amoureux de M. Ouattara. Et comment dirais-je, on aime M. Ouattara. Ouattara même sait pertinemment
y a beaucoup de personnes qui sont avec lui, ils ne l'aiment pas. Ils l'aiment parce qu'il est aujourd'hui au pouvoir. Ils l'aiment parce qu'aujourd'hui, il est président. Mais nous qui l'avons, nous qui étions à ses côtés, dans le moment de difficulté, mais nous sommes aujourd'hui, même si nous sommes aujourd'hui en antagonisme politique, cela ne veut pas dire que, non, que nous avons une haine viscérale contre M. Ouattara. Loin de là, nous sommes désolés. Ça, il faut que je vous le dise en toute vérité. Voilà, il a été mon mentor politique, ça je l'assume. Et vraiment, je l'ai beaucoup aimé en politique. Et puis j'ai jeté mon dévolu sur lui entièrement et complètement. Parce que quand moi j'aime, ce n'est pas à moitié, ce n'est pas à peu près, ce n'est pas en détail. Et donc, si aujourd'hui je vois certains, même certains blogueurs, certains activistes ou bien influenceurs, on aime M. Ouattara. Non, non, attention, vous venez d'arriver. Vous venez d'arriver. Et donc c'est normal, vous voulez avoir comment dirais-je, les grâces du pouvoir en place, vous voulez avoir les grâces du pouvoir en place, tout. Et donc vous allez faire des vidéos, oui, M. Ouattara, notre président, il travaille bien, c'est le bâtisseur, tout. Mais quand nous disons que Ouattara était un bâtisseur, quand nous disons que Ouattara était bon pour la Côte d'Ivoire, mais vous avez dit donc que nous sommes des flamands, non? Quand nous le disions, je parle de toi particulièrement parce que tu ne faisais pas la politique, tu étais trop jeune, pour commander. Voilà. Donc, quand nous le disions dans le passé, ben, beaucoup disaient que c'était une chimère de quoi que M. Ouattara peut être président de la République de Côte d'Ivoire. On a cru à cette chimère-là, jusqu'à ce qu'il soit président de la République de Côte d'Ivoire. On sait par quelle péripétie il est passé. Malgré les difficultés, malgré tout, nous étions avec lui. Même si aujourd'hui, il y a une rupture politique, il dit bien, il y a une rupture politique. Cela ne veut pas dire que non, que nous avons une haine contre le monsieur. Donc, ceux qui viennent s'ériger comme étant les bons amoureux, les bons doux, sympathisants de M. Ouattara, c'est-à-dire que les militants de première heure, les dernières heures, les amoureux de dernière heure, voilà, les tomona, ceux qui sont arrivés aujourd'hui là, et puis ils vont, c'est aujourd'hui que Ouattara, ils vont les vanter, ils vont les saluer, ils vont les plébisciter là. Il faut mettre frein sur votre, parce qu'on sent que vous n'êtes pas dans la sincérité, on sent très bien. Ils savent pertinemment, ils ne sont pas cons. Ils savent pertinemment que c'est parce qu'ils sont au pouvoir que vous vous êtes érigé aujourd'hui, comment dirais-je, en bon samaritain, comment dirais-je, amoureux. Ils le savent pertinemment. Ils ne sont pas sots. Ils ne sont pas quand même sots. Ils savent très bien que, ils prennent leurs militants pour des moutons, mais ils savent également que ceux qui viennent par opportunisme et comment dirais-je, militantisme, ils savent très bien, ils le savent très bien. Donc je tenais à le dire, que quand vous faites les vidéos là, où notre président bâtisseur, le président Ouattara, il n'y a pas son deux, comme ça, on connaît ce discours là. Et parce que quand demain le 6 va devenir le 9, quand Ouattara s'est plus au pouvoir, c'est vous les mêmes qui allez venir dire non que oui, Ouattara était au pouvoir, voilà ce qu'il faisait, on ne peut pas parler en Côte d'Ivoire, c'était un dictateur. Alors qu'aujourd'hui, quand nous parlons, ce que vous pensez dans votre tête là-bas en Côte d'Ivoire. Ce que nous disons ici là, c'est vous qui allez nous critiquer en commentaire publiquement. À cela vraiment, ils dénigrent la Côte d'Ivoire, c'est là non, la Côte d'Ivoire est belle et puis il ne faut que critiquer. Alors que quand vous coupez vos caméras, alors que quand vous êtes dans votre famille là-bas, quand vous êtes en famille, vous parlez dans la maison, dans vos chambres, vous parlez, vous murmurez seulement, vous surturez. Vous ne parlez même pas fort pour pas que le voisin puisse entendre. Ben, vous savez que si vous parlez, le voisin entend là. On peut aller te vendre à la police que voici un opposant qui est là. Vous le savez. Donc, nous, ce que nous disons ici là, ça vient de la Côte d'Ivoire, qui est une prison à ciel ouverte. Et vous-même, vous savez pertinemment ce que je dis, que ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Et donc, quand on n'a pas la latitude, on n'a pas le courage de pouvoir critiquer chez soi, on ne peut pas donner des conseils, n'est-ce pas, à l'extérieur. Et nous qui parlons aujourd'hui, concernant le Niger, concernant d'autres pays, nous pesons le pour et le contre. Et nous regardons la situation géopolitique. Quand nous voyons nos frères ivoiriens qui sont à cheval, surtout les partisans de M. Ouattara, j'étais parmi eux. Je l'ai dit, je suis parti en 2011. Mais par contre, ces partisans-là, qui veulent, moi, connaissant le parcours de mon ex-mentor, son parcours pour arriver au pouvoir, on n'est pas arrivé au pouvoir en mettant une candidature normale en Côte d'Ivoire. On n'est pas arrivé au pouvoir au RDR en étant commandant des pacifistes. On est venu au pouvoir par les armes. C'est par les armes qu'on a pris le couloir des armes pour nous imposer, pour imposer notre candidature. Donc nous, on n'a pas de leçons à donner aux autres. Voilà pourquoi quand les militants de Ouattara viennent critiquer le Mali, le Burkina et le Niger, je leur dis stop, j'ai été l'un de vous, donc vous n'avez pas qualité à vouloir donner des leçons à d'autres pays comme le Niger, le Burkina ou le Mali. C'est ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi je fais une confrontation, n'est-ce pas, de versions. Parce que quand ils viennent nous dire que les coups de date ne sont pas bons, alors qu'en Côte d'Ivoire, celui-là même qui soutient là, lui-même, il a fait un troisième mandat qui est équivalent à un coup d'État. Donc, vous ne pouvez pas faire la part des choses en disant qu'un troisième mandat n'est pas un coup d'État et qu'un militant qui sort des casernes, n'est-ce pas, est un putschiste. Mais celui qui fait un troisième mandat mortifère et puis il y a des morts, qu'est-ce qu'on appelle ça comment? On appelle ça comment? Une élection? Il faut arrêter, n'est-ce pas, de rentrer dans ce que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. Il faut arrêter de vouloir jouer avec des sujets qui sont éminemment, comment dire, gravissimes. Parce que moi, aujourd'hui, ça me vaut l'exil. Bon, toi, par exemple, jeune frère, pour revenir à toi, moi, je te dis une chose.
La politique, c'est un terrain qui est très glissant. C'est un terrain qui est très dangereux. Et pour y être dedans, il faut être prêt à payer les prix forts. Tango, tango, Fatima Diamant. Il faut être prêt à payer les prix forts. Et aujourd'hui, j'ai accepté de payer ma croix. J'ai accepté. Il n'y a pas de payer ma croix au nom de cette lutte-là. J'ai accepté de faire tabula rasa, de faire fi de mon pays. De mon pays que j'aime tant. Voilà. Parce que j'ai deux choix. J'ai le choix de me taire et puis de ne pas critiquer. Et le choix de ne pas de critiquer et de ne pas critiquer et de rentrer dans mon pays. Et le choix de demander pardon. Et puis tu vas voir, ils seraient réhabilités. Ils vont me recevoir. Les ministres vont me recevoir. Lui, vraiment, il était en erreur tout le tout. Et puis bon, il a été manipulé, soi-disant, par Guillaume Soro. On a dit comment tu vas. Voilà. Comme si moi j'étais un gamin. Comme si c'était Bamé, comme si c'est Guillaume Soro qui m'avait dit de quitter le RDP, le RADP en 2012. Je reprends. J'ai quitté le RADP en 2012. Attends, il est bloqué celui-là parce qu'on n'a pas le temps pour les bougnafier là. J'ai quitté le RDA en 2012. Ceux qui ont attaqué, insulté M. Ouattara ici, qui ont même exhumé sa mère, qui ont insulté sa mère, traité de tout dans sa tombe, ces personnes ont été réhabilitées, elles vont en Côte d'Ivoire, elles reviennent. Elles ont fait des vidéos pour dire non, pardon, bah, je me suis trompé. Ces personnes étaient les plus grands profondeurs de M. Ouattara. Ici, la toile. Ils ont incité sa mère. Jusqu'à aujourd'hui, moi, je n'ai même pas digéré cela. Je l'ai dit encore. Même si je suis plus partisan de M. Ouattara, mais quand j'ai vu des individus ont passé de temps à insulter la mère du monsieur, à la déterrer, à faire tout. Vraiment, même, je vous dis, je ne suis pas partisan de M. Ouattara, mais ça m'a fait mal. Ça m'a fait très mal. Jusqu'à aujourd'hui, ça m'a fait mal. Parce qu'il ne méritait pas ça. Et il ne mérite même pas ça. Mais ces personnes-là, du coup, allaient accuser les candidats camarades tout le tour. Mais ces personnes-là ont été réhabilitées. Elles vont en Côte d'Ivoire. Et puis, elles ont été des enveloppes. Moi également, j'ai été approché ici. Ils ont voulu que je rentre au RADP. Ils m'ont proposé une enveloppe, une villa. Au même moment, mais je n'ai pas accepté. Je n'ai pas accepté au nom d'une dignité. Mais si j'avais accepté, et j'avais dit que c'est Guillaume Soro qui m'avait manipulé, tout le tout, et comment dire, je me suis trompé, vraiment, il demande pardon au père de la nation, tout le tout. Mais il y a longtemps, je suis habitant. Il y a longtemps, il fait le va-et-vient. Mais je n'aurais plus de dignité. Puisque c'est pas Guillaume Soro qui m'a envoyé sur la toile, puisque c'est pas Guillaume Soro qui a fait que j'ai quitté le RHDP. C'est moi-même, je suis parti de moi-même en 2012. J'ai connu maman Ariane Diabaté où, dans les RHDP, ici en France, et quand elle venait ici à Paris pour faire ses courses, c'est ici, elle et moi, avant que M. Ouattara soit président. Elle venait ici, puis on partait ensemble à la rue Mêlée pour aller faire ses courses. Elle est là, elle est vivante. Elle venait à Château-Rouge, dans mon magasin, à Château-Rouge. Même quand elle quitta l'université de M. Ouattara, elle est venue ici à Paris, j'étais là, à Château-Rouge. Je pourrais rester au nom de parce qu'elle m'appelle mon fils. Je pourrais rester, mais à cause d'elle. Quand elle venait à son hôtel, où elle était, je partais à son hôtel là-bas. Je pourrais partir, je pourrais rester au RHDP à cause d'elle. J'ai des oncles au RHDP. J'ai des parents au RHDP, mon grand frère, même il est au RHDP. Mon petit frère, même il est RHDP. Je pourrais être avec eux. Mais moi, je choisis, n'est-ce pas, ma route. C'est ma conviction. Et personne ne peut me mettre la pression. Mais s'il y avait du oui, là, je serais aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je serais aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et puis, il n'y avait absolument rien. Et puis, j'allais me réhabiliter. Les candidats camarades allaient me recevoir. Les Bakongo allaient me conduire. Les Bitogo allaient me recevoir. Vraiment. Et puis, j'allais mentir. Ah, c'est Guillaume Soro qui m'a mis à l'erreur. Alors que ce n'est pas vrai. Alors que c'est pas vrai, c'est moi-même qui me suis engagé dans un combat et que personne ne m'a envoyé. Et donc Guillaume ne m'a pas envoyé sur la toile, ne m'a pas dit de quitter le RADP. Quand j'ai quitté, Guillaume Soro était avec eux là-bas. Et donc, aujourd'hui, là, si j'ai décidé, de, malgré toutes les propositions, de rester dans l'opposition, de rester et de dénoncer, de critiquer et de faire tabula rasa de mon pays. J'ai des cousines là-bas. J'ai des cousins là-bas. J'ai mon père qui est là-bas. J'ai ma soeur qui est là-bas. J'ai mon grand frère qui est là-bas. Souvent, j'ai envie d'aller voir les tombes, d'aller les voir. Ça me fend le cœur souvent. Il me dit qu'il faut que je parte. Mais je ne peux pas le faire parce que si je vais, ils vont me mettre en prison. Alors, ils vont même me torturer, même m'assassiner. Et donc, c'est parce que je critique. Et cette critique, elle n'est pas valable. D'un instant, tu es en Côte d'Ivoire. Alors que normalement, on devait me laisser rentrer dans mon pays. Et puis, pour démontrer, comment dirais-je, la démocratie. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, dès l'instant, tu rentres dans ces considérations de politique. Il faut faire très attention. Je le dis pour toi. Parce que je t'aime bien. J'ai dit pourtant parce que je t'admire beaucoup. Mais la comédie que tu veux faire sur l'affaire du Niger, là, vraiment, ce n'est pas le moment propice. Dans les hôpitaux, actuellement, il y a des personnes qui meurent parce qu'ils ont, fermé les frontières. Il y a des commerçants qui ont perdu des milliards. Bon, t'as bloqué ça là, voilà, merci. Il y a des commerçants qui perdent beaucoup d'argent. Il y a des commerçants qui perdent, qui sont ruinés. Ce n'est pas du jeu. Il y a des femmes enceintes aujourd'hui dans les hôpitaux qui souffrent. Parce que les médicaments ne peuvent plus rentrer au Niger. C'est quand même quelque chose de dramatique.
Donc, si on ne peut pas, si on ne peut pas parler dans le sens de demander la levée de l'embargo et de sanctionner ce qu'on fait le coup d'État, il ne faudrait pas encourager que non, qu'on va jusqu'à envahir le peuple du Niger et qu'il y aura des morts d'hommes. Voilà, jeune frère, je vais te dire, on va aller au, comment dirais-je, en Guinée, pour que tu puisses comprendre que quand les coups d'État adviennent, c'est parce qu'il y a une situation qui se passe. Il y a une situation, on ne fait pas un coup d'État pour aller se marier. On ne fait pas un coup d'État parce qu'on va aller, comment dirais-je, en colonie des vacances, ce n'est pas ça. S'il y a un coup d'État, c'est qu'il y a vraiment une cause. Et cette cause-là, elle est motivée. On ne se lève pas comme ça, dire au lendemain, pour faire un coup d'État contre un président, je suis désolé, sur toute une armée. Les Burkinabés ne se sont pas levés comme pour faire le coup d'État au Burkina Faso, je suis désolé. C'est une insulte à leur intelligence, c'est une insulte à leur peuple, c'est une insulte, comment dirais-je, à leur existence, parce que c'est comme si c'était primitif, c'est là qui ne savent absolument rien, et qui soutiennent tout et n'importe quoi. Parce que tes propos sous-entendent ça, ce qui n'est pas normal. Il faut sortir de ça. Fais ta comédie, il faut te battre pour avoir ton petit pain. Parce qu'il ne faut pas te mettre dans ça demain, là. Demain, on ne sait jamais. Il faut éviter. On ne sait jamais. Si tu veux te cabrer comme moi, je peux comprendre. Ou bien il faut t'étiqueter en même temps RHDP. Et puis tu l'assumes. Et puis tout le monde sait. Là, le jour que le pouvoir change, là, toi, on sait qu'on te met au garage. Donc, tu peux être un pied dedans, un pied dehors. Et puis, demain, quand ça change, tu dis, ah, je viens de l'autre côté. Non. Tu restes là-bas en même temps, du coup. C'est ce qui est la vérité. Donc, tous les phologologues, là, ceux qui sont les adeptes de la religion de la phologogie, là. Donc, eux, là, on va commencer à trier les bons gars délivrés. Tu peux être de l'autre côté, et puis, tu as mangé à gauche. Tu attends que les RHDP tombent pour venir manger avec l'opposition. Ça, c'est terminé, ça. Il faut une génération consciente. Et ça, nous ne sommes pas des partisans des coups d'État. Les Burkinabés non plus, les Maliens non plus. Attends, qui peut être même d'accord même pour les coups d'État? Personne. Personne. Mais quand tu te retrouves face à des faits accomplis, face à une situation, tu veux qu'ils fassent quoi? Non, sincèrement, quand tu te retrouves, quand des pays, ils se retrouvent devant les faits accomplis, là, et comment dirais-je, l'armée est sous-équipée, l'argent n'est pas mobilisé, les chefs de l'État passent le temps à faire des voyages. Pendant ce temps, les soldats se font tuer au front. Mais vous voulez quoi? La main dit non, on ne peut plus se battre pour des politiciens qui sont assis dans un confort. Mais depuis que Assimi Gota a pris le pouvoir au Mali, mais l'armée est suréquipée. L'armée est suréquipée. L'armée vraiment se déploie sur le territoire malien avec beaucoup de, comment dirais-je, d'exploits sur le terrain. Ça, il faut le reconnaître. Qu'il y a un recul significatif, très significatif, de l'insécurité au Mali. Avant, c'était tous les jours attentats, les bombes explosaient. Ça, vous êtes d'accord avec moi, les voitures piégées au Mali. Mais ça n'existe plus. Maintenant, les voitures piégées tout. Les derniers assauts, c'était sur le camp de Kati. Ils ont voulu tuer le colonel Assimi Goïta. Mais vous avez vu que depuis ce temps-là, parce que ça, c'était les derniers soubresauts des individus qui étaient forcément décapités au niveau de leur sanctuaire. Donc, il fallait aller s'en prendre au cœur, au pouvoir central, c'est-à-dire à Kati. Donc, un peuple ne se lève pas comme ça. Les Maliens ne se sont pas levés comme ça pour aller faire un coup d'État parce qu'ils aiment le coup d'État. Les Burkinabés ne se lèvent pas pour aller faire un coup d'État parce qu'ils aiment le coup d'État. Non, ce n'est pas ça. Je suis désolé. On ne se lève pas comme ça pour aller faire un coup d'État parce qu'on a envie de faire un coup d'État. On ne peut nous-mêmes pas soutenir. Et puis, d'ailleurs, allez dire que Kébi, il y a certains, ils ont des idées préconçues, des idées frelatées. Non, que c'est Kémi Séba qui trompe certains parmi nous. Mais Kémi Séba, même moi, c'est mon jeune frère d'abord de 1. Mais. Donc, eux-mêmes pensent que souvent nous sommes en train de causer dans le groupe WhatsApp pour connaître notre stratégie de communication ou même pour parler le même langage. Mais on ne s'appelle même pas souvent. C'est-à-dire que même, je vous fais une confidence. Franklin Nyamsi, lui et moi, ça fait pratiquement, je peux dire 8 mois, pratiquement 8 à 8 à 9 mois, on ne s'est pas parlé au téléphone. C'est ce matin que le monde s'est parlé au téléphone. C'est ce matin que le monde s'est parlé au téléphone. Je vous dis que Franklin Nyamsi, lui et moi, ça fait pratiquement, 8 à 10 mois, on ne s'est pas parlé au téléphone. Mais c'est aujourd'hui que nous sommes parlés au téléphone. Qu'est-ce qui se passe là? Arrête de m'embêter, toi. WhatsApp, il y a quoi dans WhatsApp là? Il y a quoi dans WhatsApp? Je ne comprends pas. Et tu me dis WhatsApp, je ne comprends pas. Il y a quoi dans WhatsApp? Bon, je comprends pas. Il y a quoi dans WhatsApp là? Maman Douska, il y a quoi dans WhatsApp là? Parce que là, tu me dis, WhatsApp, il n'y a rien, je ne vois rien. Bon, là, tu es en train de me déstabiliser là. Je ne sais pas, il y a quoi. Bon, je vais continuer mon direct. Et donc, voilà, on va t'écouter parce que je ne vais pas te faire jouer ici là. On t'écoute. Comment on va? On va où avec tout ça? On va où avec
leçons à donner à la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ont les leçons à donner à notre président de la République. Copatati, copatata, fermez-la. 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 C'est même pas, vous ne pouvez même pas faire confiance à quelqu'un qui va vous faire confiance. Toujours le peuple entend souffrir, souffrir. Un bon coup de souffle. Révolution du peuple. Kémy, ce n'est pas celui qui vous blague. Suivez le raisonnement. Vous finissez trois boules d'attaque et vous êtes. Voilà. Je vais d'abord dire une chose. Le président Franklin Diamsi, je continue parce que j'ai perdu le fil là. Franklin Diamsi, c'est aujourd'hui que le professeur Franklin Diamsi. C'est-à-dire que les gens pensent que les panafricains ou bien nous sommes tous dans un groupe. Et puis quand on fait des sorties, on dit bon, sous le tête, tu parles de ça. Hein, KGB, toi, tu parles de telle chose. Hein, comment dirais-je, Okosi, toi, tu parles. Ce n'est pas ça. Franklin Diamsi, c'est un aîné à moi. Il n'y a rien entre lui, des bisbis ou quoi, non. Mais je dis, vous savez, c'est son numéro, mon numéro. On s'appelle quand on veut, comme on veut. Mais je vous dis que ça fait pratiquement 8 mois, à 10 mois qu'on ne s'est pas parlé au téléphone. Et c'est Martin qui m'a appelé, puis on a causé pendant longtemps. On a causé pendant longtemps. Donc quand les gens agissent, les gens pensent que c'est parce qu'ils sont manipulés, ils sont téléguidés ou ils sont payés. C'est une affaire de conviction. Personne ne manipule son camarade. Attends, nous sommes déjà des adultes, non? Moi, je suis grand-père. Et je suis un vieux de la vieille. Donc, on peut me manipuler. On peut manipuler un peuple. Ce n'est pas possible. Kémy Séba, il n'a pas une intelligence. Il n'a pas deux cerveaux. Il n'a pas une intelligence supra ou extra. Ou bien hypersonique en intelligence pour pouvoir manipuler une masse. Ce n'est pas possible. Ce combat n'a pas été impulsé, initié par Kémy Séba. Ce combat a commencé depuis longtemps. Depuis le temps de Ernest Ouandié, de Douala Magabel au Cameroun, depuis le temps de Sékou Touré, depuis le temps de Oumoumié, depuis le temps de Lumumba, ce n'est pas d'aujourd'hui, de Amilcar Cabral. Ce n'est pas un combat qui a commencé aujourd'hui, en 2023, et que l'initiateur, c'est Kémy Séba. Kémy Séba est de la droite ligne, n'est-ce pas, de nos prédécesseurs, nos aînés. Hein? Attends, je vais bloquer un ici là. Kémy Séba n'a pas créé le panafricanisme. Il a épousé le panafricanisme. Et le panafricanisme n'a pas été créé en Afrique. Ça a été créé en Haïti. Le panafricanisme n'a pas été créé, est sorti des terres de nos ancêtres depuis Haïti. Donc ce n'est pas en Afrique. On a dit que le panafricanisme, ce n'est pas là-bas. Il faut bien lire l'histoire du panafricanisme. Ce n'est pas nous, ce n'est pas les Africains qui ont créé. Kémy Séba n'est pas créateur du panafricanisme. Lui, c'est un éveil de conscience. Il profite d'une tribune qu'on appelle la toile pour faire passer les messages. Et ce message qui passe là, mais Lumumba a commencé depuis longtemps, mais elle a été tuée. Lumumba a été livré comme un colis par Mobutu aux Belges, qui l'a envoyé dans les Katanga. Il a été assassiné. Il a été assassiné. Et les restes ont été envoyés en Belgique. Sa dent a été envoyée en Belgique. Mais il a fait plus fort que Kémy Séba. C'est eux qui ont planté, qui ont semé. Et c'est en train de pousser aujourd'hui en 2023. Ernest Ouandié au Cameroun, de l'UPC. Mais comment les Français l'ont tué? Comment les Français l'ont tué? Ernest Ouandié de l'UPC. Il a été tué parce qu'il était indépendantiste. Mais son corps était trimballé sur des kilomètres. Parce qu'il venait d'indépendance du Cameroun. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Donc Kémy Séba ne peut blaguer personne. Il ne peut pas blaguer le peuple du Burkina qui est trop éveillé. Kémy Séba, il avait quel âge quand Sankara parlait du panafricanisme? Kémy Séba, avec quel âge quand Sankara parlait de l'impérialisme? Kémy Séba était un bébé, il était en train de boire le biberon de biberon. Quand Sankara parlait du panafricanisme à bas, et l'impérialisme à bas, Kémy Séba était trop un bébé pour pouvoir. Donc, quand vous ne maîtrisez pas les enjeux, vous ne maîtrisez pas un sujet, il ne faut pas s'y mettre. Il ne faut pas, surtout, faut pas s'affronter à un peuple. Parce que c'est un peuple intègre. Les Burkinabés, c'est un peuple résilient. Et donc, moi, je pense que pour ton jeune âge, il faut éviter certaines sorties. Si tu vois que je l'ai fait, c'est parce que je t'aime. Et que je t'aime. On s'est vu ici à Paris. Et qui aime bien. Et si moi, je ne te dis pas la vérité, puisque je n'ai pas ton numéro au téléphone, si j'avais, j'allais t'appeler. J'allais te dire. Bon, je parlais sur ta page Facebook, parlais pas ton numéro là-bas, tout. Puisque on sait, nous qui avons les pages, on a beaucoup sollicité. On a beaucoup de messages. Je pouvais passer par ce canal-là. Voilà, bah, ce canal-là pour dire, donc, attention, il ne faut pas rentrer dans ça, là. Ce n'est pas de la rigolade. Voilà, il faut quitter d'affaires de politique, là. Il faut faire ta comédie.
Voilà, c'est important. On va continuer avec toi. Voilà, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est là. Il a framponné Saïd Zerbo. Saïd Zerbo a framponné Lamine. Et Lamine a framponné le premier président qui leur a apporté l'indépendance. Vous avez fait ça. Je crois qu'il y a eu peut-être... Il n'y a jamais eu d'élection même au Burkina. Il n'y a jamais eu. C'est coup d'état, coup d'état, coup d'état. On dirait, c'est pas... Allez, dis non. C'est des renforcements, je suis avec vous. Faites ce que vous avez à faire. Ça va faire la deuxième fois. On va voir le résultat. Après, on va juger. Pour le moment, on ne peut pas s'asseoir, regarder et dire que, le coup d'état, c'est une bonne chose. Si le coup d'état était une bonne chose, là, regardez comment les Burkinabés, ils souffrent. Ils sont là parce qu'il y a un petit groupe là où ils font du bruit. Le peuple. Quittez là-bas. C'est des où on attend. Prenez vos responsabilités, après on verra. Voilà. C'est lui qui ne fait rien là, c'est lui qui va critiquer. Voilà. CDO, on attend. Voilà. CDO, on attend. CDO, on attend. Faites le travail. C'est ce que tu as dit, hein. Voilà. Au Niger, tu vois, c'est malheureux que celui qui n'a rien à faire, celui qui parle. Je pense bien que il y a ton papa qu'on appelle Alpha Blondy qui a fait un message, non? Donc faut lui répondre à lui, faut répondre à lui. Faut faire vidéo et puis tu réponds. Faut lui dire que non, que c'est un inculte. Faut lui dire qu'il ne comprend rien. Faut lui dire que non, que c'est un sot. Faut lui dire que c'est un évidé, un écervelé. Fais vidéo, tu lui dis ça. Puisque ceux qui critiquent là, ils n'ont rien à faire. La CEDEAO doit intervenir au Niger et après on verra. J'aimerais te dire, si jeune frère, si tu as un frère dans l'armée de Côte d'Ivoire, un cousin, un oncle, ton grand frère dans l'armée de Côte d'Ivoire, et qu'on l'envoie au Niger, et qu'arrivé là-bas, 6000 soldats, il y a 100 qui perdent la vie, et que ton frère est parmi là, mais ils vont pas en colonie de vacances. Hein. Ceux qui vont envoyer au Niger, là, ils vont pas en colonie de vacances, ils ne vont pas en villégiature, ils vont pas en virée, ils vont pas en boîte de nuit. Ils vont faire la guerre. Ils vont pour faire la guerre. Et dans la guerre, là, il y aura mort d'hommes. Il y aura mort d'hommes. Et quand demande à CDO de faire, d'agir, et puis après, comment dirais-je, on verra. Tu vois, c'est un langage ordurier. C'est un langage ordurier. Quand tu vois aujourd'hui, c'est qu'on appelle la guerre, là. Quelqu'un que j'apprécie ne peut pas dire ça. Quand je prends le temps pour te parler, c'est parce que j'ai vraiment de l'estime pour toi. Et je pense que faut pas prendre sa petite popularité que l'on a parce que sur Facebook. Et puis on pense qu'on peut donner la leçon aux gens. Ou bien on voit qu'on a 2 millions d'abonnés. On pense que non, que dans les 2 millions d'abonnés, tout ce qu'on dit là, ça plaît aux 2 millions d'abonnés. Dans les 2 millions d'abonnés, moi j'ai au moins 4 comptes qui sont abonnés à toi. J'ai mon Soleil de Paris qui est abonné à toi. J'ai le Fraponnet qui est abonné à toi. J'ai mon compte Soleil de Paris privé. Et le compte Soleil de Paris et le Fraponnet Corabumi privé abonné à toi. Ça fait 4 comptes qui sont abonnés à toi. Donc moi je le suis en 4. Donc il faut diviser en 4, n'est-ce pas, l'audience là. Donc, faut pas croire que tous ceux qui sont sur ta page Facebook, là, ils épousent ça. S'ils sont venus sur ta page Facebook, c'est parce qu'ils savent que tu n'es pas politique, que tu n'es pas le sujet politique. Et quand je vois les critiques, la personne qui m'a envoyé ça, c'est quelqu'un de très important en Côte d'Ivoire, qui me respecte beaucoup, et qui est surpris. Il a dit non, il ne peut pas faire ça. Il me dit non, si. Lui-même n'est pas dans une posture de dire que non, qu'il est, comment dire, opposant, ce n'est pas ça. Parce que si on ne parle pas, si des gens comme moi ne te parlent pas, il ne met pas la caméra pour te dire non, attention, où tu es en train de rentrer, c'est un terrain glissant. Tu vas penser non, que tu es très à l'aise, quoi. Voilà. Si tu n'es pas fichu de critiquer pour ta voiture qui est rentrée à Abidjan, où ils t'ont taxé cher, et tu n'as pas pu critiquer ça, ben il faut te taire au niveau du Mali. Peut-être que ta propre voiture, tu es rentré en Côte d'Ivoire, ils t'ont taxé, et te dit que non, que tu as peur de parler. Si tu ne peux pas, ils vont te mettre en prison. Mais tu peux critiquer, pia, pour dire non, que allez envahir le Niger. Tu connais ce qu'on appelle la guerre? Est-ce que c'est ce qu'on appelle la guerre? Faut pas vous donner de la contenance, faut pas vous mettre pas sur un piédestal où vous ne connaissez, vous ne maîtrisez pas comment dire les ténèbres aboutissant. Qui leur demande d'aller agir. Donc ils vont agir, c'est pour aller tuer les gens. C'est les familles qui vont perdre la vie. C'est les pères et les belles familles qui vont perdre la vie. Et mieux, pour ne pas me perdre. Je vais te faire voir une vidéo ici. Parce que, une vidéo ici, c'est Alpha Condé. Tu vas voir qu'Alpha Condé, celui-là, Alpha Condé, en Guinée, puisque il y a les enjeux de coup d'état que tu ne connais pas, je vais te montrer ça. L'actuel président, de la Guinée-Bissau, qu'on appelle Mbalo, lui-même, étant président, il dit, mais c'est pas possible. Comment on peut massacrer son peuple comme ça? Regarde ici, frère. Regarde ici, écoute-le. La Guinée-Conakry, où
pour cela que moi j'ai dit que je suis vraiment très triste avec le comportement de la commission de CEDEAO. Et je respecte beaucoup, heureusement, le président en exercice de CEDEAO, qui est un homme que j'ai beaucoup d'affection, parce que je l'ai dit, c'est un homme qui a les têtes sur les épaules. Mais on ne peut pas accepter d'avoir un pays qui est en train de faire un génocide. Voilà. Parce que comment c'est possible? Écoute bien, on ne peut pas accepter qu'un pays est en train de faire un génocide. Ça, c'était en 2020, là, où Alpha Condé a massacré le peuple de Guinée. Ça, c'est un président qui parle. Hein. Il dit qu'on ne peut pas accepter qu'un pays est en train de faire un génocide. Mais vous n'étiez pas là. Nous, on était là pour critiquer ça. Moi, sous le départ du Palakal, j'étais là pour critiquer ça. Pour dire Alpha Condé est un boucher, est un criminel. Je l'ai dit. Parce qu'il a tué les gens, les jeunes Guinéens. Et maintenant, quand on lui fait un coup d'État, vous vous plaignez. Que pourquoi on a fait un coup d'État? Mais vous voulez quoi finalement? Vous voulez une chose et son contraire? Voici un président qui critique. Un président qui a passé ses tué même au cimetière. Même au cimetière. Ils ont tué des gens, même au cimetière. Il faut écouter. C'est-à-dire on n'a rien dit, même un mot. La Guinée-Conakry, où les manifestants ont tué même au cimetière. C'est-à-dire que les gens vont pour enterrer des enfants qui ont été abattus, qui sont morts sous les balles assassines d'Alpha Condé. Ils vont enterrer leurs camarades au cimetière là-bas. Là. Ils descendent là-bas et puis ils abattent ceux qui sont partis pour aller enterrer. Ça s'est passé en Guinée en 2020. Où étaient les pseudo-moralisateurs, les pseudo-penseurs, les pseudo-analystes, les pseudo-stratèges, les pseudo-théoriciens? Ils étaient où? Où j'étais où? Les critiques, elles étaient où pour dire Alpha Condé? On ne fait pas ça. Mais nous, on était là, on a critiqué. Nous, on sait ce que nous critiquons. Donc, si Alpha Condé, il y a eu un coup d'État, pourquoi vous allez pleurer maintenant? Pour dire que le coup d'État est trop. Non, c'est pas trop. Je préfère un coup d'État où on ne tue pas. Quel coup d'État où on tue, on massacre les gens, un génocide? Hé, hey, parlez de quoi même? La Guinée-Conakry, où les manifestants ont tué, même au cimetière. Je suis en direct, je te rappelle. Même un mot. C'est pour cela que moi, j'ai dit que je suis vraiment très triste avec le comportement de la commission de CEDEAO. Et je respecte beaucoup, heureusement, le président en exercice de CEDEAO, qui est un homme que j'ai beaucoup d'affection, parce que, je l'ai dit, c'est un homme qui a les têtes sur les épaules. Mais on ne peut pas accepter d'avoir un pays qui est en train de faire un génocide. Parce que comment c'est possible, un président qui a passé 50 ans à l'opposition, en train de tuer et de massacrer les manifestants? Vous parlez de qui? Président Alpha Condé. Oui. Ça, y a pas, c'est pas la peine de chercher des mots de musique. Alpha Condé, que je connais très bien, je connais des années, moi-même, je l'ai aidé beaucoup pendant son campagne, mais il m'a déçu. Pourquoi tuer les gens, même au cimetière? Non. Mais moi, je pense que, avec son âge, je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a dit hier, c'est que oui, mais là, qu'il est en train de réclamer encore troisième mandat à un homme de 95 ans, c'est pas normal. Moi, je pense que l'Afrique a besoin de nouvelles énergies et nouvelles énergies. L'air a sonné pour la jeunesse. Même moi qui parle là, j'ai 47 ans, je suis plus jeune. Là, d'ici 10 ans, je dois donner la nouvelle génération. Et lui qui a 95 ans, donc je pense que c'est notre grand-père, il doit prendre retraite. Voilà. Vous avez bien entendu, non? Vous avez bien écouté? Ça, c'est le... Patim Tola qui parle comme ainsi. Comme un de mes frères, c'est Patim. Vous avez écouté? Oh, pardon. Vous avez écouté? Jeune frère, t'as vu? Parlant de coup d'État, là. Voici un cas de coup d'État qui s'est passé en Guinée. Et lui, il était président. Il est président actuellement. Et c'est quand il a été élu, il dit qu'il est dessus d'Alpha Condé qui a massacré le peuple de Guinée pour un troisième mandat. Même au cimetière, il massacre les gens. Donc, tu vois, donc, quand le coup d'État vient là, ben, on va dire quoi? Quand les gens vont applaudir, le peuple applaudit, donc pourquoi le peuple applaudit le coup d'État? Mais tu veux quoi? C'est ça qu'il s'agit. Doucouré, comment tu vois? Donc, on va voir ici, j'ai promis de te montrer les pays où il y a eu trop de coups d'État. Puisque je suis un frappeur, moi je fais de la politique. Je suis un activiste politique qui s'assume. Je vais te montrer que le Burkina n'est pas à la tête des pays de coups d'État au monde. Et même en Afrique, j'ai la liste qui est là. Donc, je vais tourner ma caméra pour te faire un petit peu de coups sur des coups d'État en Afrique. Et qui a le record Guinness? C'est important. Et le nom du pays, et puis que c'est passé, c'est important. C'est parti. Mais il faut que, quand tu fais une vidéo, il faut que tu sois complémentaire, Djibril Touré. Voilà. Même si c'est une vidéo légère pour un jeune frère que j'apprécie, pour qu'il quitte d'en faire
à faire des politiques qui veulent être dans, et puis attaquer, comment dire, inutilement le peuple burkinabé, les traiter, n'est-ce pas, de poussistes tout le temps et autres. Il faut qu'il évite ça. Voilà. Donc voilà pourquoi je lui donne des conseils tout en augmentant, comment dire, sa bibliothèque en matière en connaissance de coup d'État. C'est important. Voilà. On va ici regarder ensemble, vous et moi. Donc, regardez ici. On va lire. On est sur vos. Voilà. On va lire ensemble, vous et moi. On y va. Voilà. En Afrique, il y a eu. Donc, dans tous les pays au monde, hein, tous les pays, regardez bien. Mori Touré, comment tu vois? Voilà. Regardez bien. Marceline Obio. Vous voyez? Tentative de coup d'État. En Afrique, il y a eu 214 ratés, 108. Aux Amériques, 146 ratés, 76. Asie de l'Est, 49 ratés, 22. Moyen-Orient, 44 ratés, 23. En Europe, il y a eu 17 coups d'État. 9 ont échoué. En Asie du Sud, il y a eu 16 coups d'État. Il y a 6 qui ont échoué. Au total, au monde, il y a eu 486 coups d'État et il y a eu 244 qui ont échoué. Donc l'Afrique est là. Avec 54 pays, nous avons eu 214 coups d'État, 108 ont réussi. Après, sur les Amériques, donc il n'y a pas une grande différence, hein. Il y a seulement 32. Entre l'Afrique et les Amériques, 32. Donc on y va. Et c'est dans tous les continents. Hein. Donc même en Europe ici, ça veut dire que l'Europe n'est pas un sanctuaire de démocratie. Sarkozy l'a dit que l'Europe est le continent le plus barbare. Le président Sarkozy a dit que l'Europe est le continent le plus barbare. Donc, il faut faire des jugements avec des preuves. On va descendre maintenant pour voir. Voilà. On va descendre pour voir les pays africains. Voilà. Tu vois la carte là? Où il y a eu les coups d'État. Donc, c'est partout en Afrique. À part ici. Tu vois? C'est partout. Donc, tout le continent africain a été touché par le coup d'État. Donc, les Burkinabés ne sont pas le record Guinness, ils n'ont pas la palme d'or de coup d'État, ni la Guinée non plus. On va ici voir, on va descendre, on va voir le tableau. Voilà, on voit qui a le record Guinness. C'est important parce qu'il ne faut pas que le Burkinabé, que le Burkina est le pays où il y a toujours coup d'État. Ok, est-ce que vous voyez ensemble avec moi? Ok. Premier pays, le Soudan. Deuxième, Burundi. Troisième, Ghana. Quatrième, Sierra Leone. Cinquième, Burkina. Donc, le Burkina n'est pas le premier. Le Burkina, ni le Niger. Voilà. Le Burkina n'est pas le premier. Le Niger est ici. Donc, après, Burkina. Sixième, Comore. Bénin, même que Talon parle là. Le Bénin est là. Le Bénin est septième. Huitième, Nigeria. 9e, Mali. 10e, Guinée-Bissau. 11e, Togo. 12e, République du Congo. 13e, Niger. Vous voyez? Voilà. La Côte d'Ivoire est là. La Côte d'Ivoire est là. Et dans les tableaux. La Côte d'Ivoire est là. Le seul pays où il n'y a pas eu de coup d'État, il y a Zambie, Gabon, et Maroc, et Sénégal, Mozambique, Angola, Kenya, Cameroun et Djibouti. Donc, tous les pays africains ont connu coup d'État. Tous les pays africains. C'est là, le tableau est là. Donc, pourquoi aller stigmatiser un peuple pour dire que non, que les Burkinabés savent que le coup d'État. Ce n'est pas ça. Bon, le premier, c'est Soudan. Avec six coups d'État. Et 17 tentatives de coup d'État. Le premier, là, c'est Soudan. Avec 10, toi Fatim là. Le premier c'est Soudan. Avec 6 coups d'État, 17 tentatives de coup d'État. Le deuxième c'est Burundi. Avec 5 coups d'État, 11 tentatives de coup d'État. Le troisième c'est le Ghana, que vous appelez démocratie là. Le Ghana que vous dites que c'est démocratie là. Le Ghana, ils ont fait 5 coups d'État. Avec 10 tentatives de coup d'État. Donc le Burkina n'est pas comment dirais-je? Non, Dieu fait là. Va bien écouter sa vidéo. Il n'a pas demandé excuse. Vers la fin de la vidéo, il a dit, va lire les commentaires là-bas. Il dit que c'est les analphabètes, qu'ils ne lisent même pas les commentaires. Il pense que, il n'a pas, les titres là, faut pas lire les titres, hein. Il n'a pas présenté les excuses. Va bien lire, toi, mon frère.
Il n'a pas bien lu, il n'a pas présenté les excuses, jamais de la vie. Il faut bien écouter sa vidéo. Au début, et puis vers la fin, il commence à narguer. Qu'il va demander pardon, il va demander pardon par rapport à quoi? Donc, lui, il pense que c'est du jeu. Donc, on lui dit que ce n'est pas du jeu. Quand on lui dit, on y va. Donc, regardez ici. Le Burundi est le cinquième avec 11 tentatives de coup d'État. Ahmed Ahaj, comment tu vois mon frère camerounais? Le seul RADP qui me reste. Sierra Leone. Non, le Ghana a 5 coups d'État avec 10 tentatives de coup d'État. Sierra Leone, 5 coups d'État avec 10 tentatives. Burkina, 8 coups d'État avec 9 tentatives. Comore, 4 coups d'État avec 9 tentatives. Donc tu vois, le record est là. Le record est ici. Tu vois, lui il a 23. Le Burkina a 16. Le Ghana en a combien? En a 15. Le Sierra Leone en a 15. Le Burkina en a 5, 8 plus 9. Ça fait 17. Le Comor en a 13. Le Burkina a réussi, le Bénin a réussi 6 coups d'État et 8. Donc quand tu regardes ici, les gars là. 5 au Mali. 4 en Guinée-Bissau avec 8 tentatives. 3 au Togo avec 7. 4 au Niger avec 7 réussites. C'est-à-dire que quand il y a 7 comme ça, ça veut dire qu'il y a eu mort d'homme. Souvenez-vous, au Niger. Regardez le Tchad, il y a eu 2 coups d'État. Regardez l'Éthiopie. Grand pays Éthiopie, il y a eu 2 coups d'État. Éthiopie, il y a eu 2 coups d'État. République du Congo, il y a eu 3 coups d'État. Algérie, il y a eu 2 coups d'État. Madagascar, il y a eu 1 coup d'État. Libéria, il y a eu 1 coup d'État. Lesotho, il y a eu 3 coups d'État. Côte d'Ivoire que tu vois là, il y a eu combien de coups d'État? Il y a eu un coup d'État. Et quand tentative de coup d'État? C'est là. Donc le Burkina n'est pas le seul pays au monde où il y a eu des coups d'État. Voilà. Le Burkina n'est pas le seul pays au monde où il y a eu des coups d'État. Voilà. Il y a eu des coups d'État. Comme par exemple, pour la Côte d'Ivoire, il y a un. Voilà. Il y a un. La Côte d'Ivoire, il y a seulement un. Vous voulez combien? Un c'est bon pour Côte d'Ivoire, c'est bon. Un c'est bon. Pourquoi vous voulez beaucoup? Vous aimez tout. En tout cas, vraiment, comme tu dis, François Guy. Donc, voici ça qui est là. Vous voyez? Voilà. Et puis, vous savez quoi? Le Burkina, là même là, il y a eu coup d'État même là. Quand je regarde même le tableau, il y a eu coup d'État de Diendéré, le coup d'État le plus éclair au monde. Il y a eu coup d'État de qui là même là encore là, lui qui est actuellement en exil au Canada, le général, Isaac Zida. C'est-à-dire que au Burkina Faso là, coup d'État, il y a eu Zida qui a fait coup d'État contre Zida. Et après, donc lui le chef d'État, hein. Il y a eu aussi le coup d'État de l'autre là, comme ça, général Diendéré, voilà. Il y a son coup d'État également. Donc, le coup d'État au Burkina Faso, c'est tous les pays africains qui ont subi les coups d'État. Et jeune frère, pour terminer avec toi, ce qui m'a interpellé dans ta vidéo, c'est le fait de dire donc qu'il faut que la CEDEAO parte intervenir au Niger et après on verra. Tu vois, c'est-à-dire que tu t'en fiches éperdument. Bataille, comment tu vois? De la vie des gens. Tu vois, tu te fous éperdument. Tu n'as pas de. Je sais que tu n'es pas comme ça, hein, mais. Ça donne à interprétation que quand tu dis non, allez-y, la CEDEAO autour de tout, et puis après on verra. Donc, quand la CEDEAO va partir là, ils vont aller se battre au Niger, mais ils ne seront pas accueillis avec des roses, ou bien avec des muguets, ou bien avec des bisous. Non, ils ne seront pas accueillis comme des libérateurs, parce qu'ils ne vont pas pour libérer le peuple du Niger, qui n'a pas dit qu'il est emprisonné. Le peuple du Niger n'appelle pas la communauté internationale ou bien la CEDEAO au secours. Il y a un problème. C'est que il faut être pragmatique dans le dossier nigérien et puis il faut nuancer la chose.
C'est-à-dire que quand la CEDEAO va intervenir au Niger, mais le peuple nigérien, on le voit à travers les déclarations. On ne voit pas des gens qui ont mis le pistolet sur la tempe pour dire non, que lisez cette déclaration. On voit que même, quand on peut dire que bon, des manifestants qui sont les manifestés pour les militaires au pouvoir sont peut-être des partisans de l'opposition et d'autres même qui voulaient que Bazoum parte. C'est une chose. Voilà. Et donc, ça, c'est autre chose. Quand on ne connaît pas, il faut se taire. Parce que il y a eu un coup d'État en Côte d'Ivoire là-bas en 2020. Donc, quand tu ne connais pas, il faut se taire. Également, n'oublie pas qu'il y a eu une tentative de coup d'État qui a eu lieu au commandement en Turquie avec Erdogan. La Turquie est un pays puissant. Vrai ou faux? Et il y a eu coup d'État en Égypte. Donc, vous ne connaissez pas les choses. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas. Salut, mon très cher frère Noctil, PCA, de PCA. Vous ne connaissez pas les sujets. Vous voulez venir vous frotter, n'est-ce pas, à celui de Paris. Hein? Il y a eu coup d'État, il n'y a même pas longtemps, là, en Égypte. Tu n'es pas au courant de ça? Il y avait un président élu en Égypte, qu'on appelle Mohamed Morsi. Mohamed Morsi a été élu, un président démocratiquement élu. Mais il y a eu le coup d'État de Al-Sisi. C'est un grand pays qu'est l'Égypte. Mais il y a eu coup d'État là-bas. Quand on dit non, que c'est limité à des pays pauvres, il faut vraiment être, excuse-moi du terme, j'ai pas envie. Vous voulez tout justifier des choses alors que ça n'a pas lieu d'être. Il y a eu coup d'État en Égypte ici. C'est un général qui est au pouvoir en Égypte. Il s'appelle Al-Sisi. Il a fait coup d'État. Contre qui? Contre un président élu, Mohamed Morsi. Et il y a eu également tentative de coup d'État en Turquie, qui est un pays développé, et qui donne même des prêts à la Côte d'Ivoire. Donc, comment on peut dire que c'est limité qu'aux pays pauvres? C'est pas possible. Voilà. Même en Allemagne aussi également. Il y a eu une tentative de coup d'État qui a été déjouée en Allemagne. Tu n'es pas au courant de ça? Il y a eu une tentative de coup d'État qui a été déjouée en Allemagne il n'y a pas si longtemps. Où est-ce que tu n'es pas... Voilà, merci beaucoup, Ramagé. Parce qu'il ne faisait pas l'affaire de Ramagé, l'affaire des Occidentaux. Effectivement, quand ça ne les arrange pas, ils valident le coup d'État. Quand ça les arrange, ils disent qu'on n'a qu'un président démocratiquement élu. Oui, alors que Mohamed Morsi a été élu démocratiquement par des millions d'Égyptiens. Mais ils ont trouvé que non, on dit c'est un salafiste, c'est un islamiste, tout. Ils ont commencé à tenir. Voilà. Ils ont commencé à tenir son pouvoir, tout. Et après, on a vu ce qui s'est passé. Ils ont dit non, que c'est les frères islamistes qui ont pris le pouvoir, alors que c'est le peuple qui a voté Mohamed Morsi. Mais cette même communauté internationale-là n'a pas hésité à soutenir Al-Sisi. Donc, la politique, la démocratie, c'est quoi? C'est quand ça a leur convenance. C'est quand les gars au pouvoir, lui, c'est bon. C'est ça qu'il s'agit. Quand les gars sont au pouvoir, là, ils valident. Mais quand il n'est pas à terre, il dit non que lui, non, comment dirais-je, c'est un président démocratiquement élu, il ne faut pas l'enlever. C'est ça. C'est une affaire d'intérêt. Donc, ceux qui vous vendent la démocratie, là, et cette démocratie, et vous croyez à cela, vraiment, moi, j'en rigole. Moi, je suis en France ici, dans un pays, liberté, égalité, fraternité. Mais si on va même sur la base même de la démocratique, actuellement, à l'Assemblée nationale française, là, je vais vous prendre un exemple banal. Quand tu prends la NUPES de Mélenchon, dans laquelle est les communistes, les socialistes, les écologistes et autres, ils ont un nombre de députés. Quand tu prends également Marine Le Pen, elle a beaucoup de députés. Quand tu prends également, les non-inscrits, ils sont également nombreux. Mais quand tu prends également la droite traditionnelle, ils ont également les députés. Et donc, mathématiquement, n'est-ce pas, le Macron est minorité ici, à l'Assemblée nationale française. Pour faire passer, n'est-ce pas, des lois, pour voter des lois, il est obligé de négocier avec la droite. Alors que la droite n'est pas partie de la majorité présidentielle. Donc, si tu calcules le nombre de députés de l'Assemblée nationale, et tu calcules le nombre de députés de la NUPES et de la droite, ça te donne automatiquement une majorité qui est écrasante. Si jamais il y a un jour une loi, une motion de censure contre le gouvernement et que la droite, le Rassemblement national, est associé au Front national et à la NUPES, le gouvernement tombe. Le gouvernement tombe automatiquement. Donc si on partait sur la base de la démocratie vraie,
comment dirais-je, le premier ministre français ne devait pas être du parti de Macron. Voilà. Si on devait partir sur la base de la démocratie vraie, puisque l'opposition a une majorité. Voilà. Donc la démocratie qu'on vous vend là, il faut faire très attention. Une démocratie édulcorée, c'est-à-dire que ça dépend. Voilà, une démocratie, n'est-ce pas, à dose homéopathique. Non, une démocratie où toi, pour toi, est bon, on te donne une goutte. Pour l'autre, est mauvais. On distribue les bons points, les mauvais points. Point. Pépite de diamant. Osmo Watt. Zoku Amel, comment tu vas? Merci beaucoup, Olivier Yao. On dit non, notre allié. Et vous avez écouté, vous avez entendu des vidéos où il y a des Français même qui disent que il ne peut pas quitter le Niger. S'ils partent, ils sont foutus. Hey! Ils me disent que s'ils partent, ils sont foutus. Et pendant ce temps, le Niger est le deuxième pays le plus pauvre au monde. Oh, ben dis donc. Mais attendez, est-ce qu'on est sérieux là? Quand on l'assoit, pas tu me demandes. Alicia, non, dites-moi sérieusement. Le Niger est le pays. Merci beaucoup pour la phrase. Démocratie circonstancielle. Merci beaucoup. Karamoko Diallo. Le Niger est l'un des pays les plus pauvres, Sangaré Bakari, au monde. Par contre, le Niger là, a beaucoup de richesses. Mais imaginez-vous un petit peu. Imaginez-vous. Allons ici un petit calcul pour chuter. L'Algérie à côté, l'Algérie est riche. La Libye est riche. La Libye est pays exportateur de pétrole. Ils ont les mêmes sous-sols. Il y a les gaz en Algérie, il y a les gaz au Niger. Et mieux, il y a l'uranium. L'uranate, c'est la matière qu'on prend pour faire l'uranium, c'est l'uranate. Il y a l'uranate, l'uranium au Niger. Et donc, la population est très pauvre. Il y a un problème. Il n'y a même pas de building, les grands buildings. Il n'y a pas de quelque chose de waouh comme en Algérie, au Niger, il n'y en a pas. Il n'y a pas quelque chose de pareil comme en Libye, comment dirais-je, au Niger. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous ne trouvez pas quelque chose qui ne va pas là? Qu'il y a l'uranate, il y a l'uranium au Niger, il y a les gaz au Niger, il y a les pétrole au Niger. Mais tu vois l'Algérie à côté là. Mais eux-mêmes, ils ont les infrastructures de base, c'est-à-dire qu'ils ont ce qu'il y a de minimum là. Et ils ne font pas pont, ils ne font pas route. C'est-à-dire qu'il y en a déjà parce qu'ils ont le pétrole. Mais comment ça se fait que ce pays qu'on appelle Niger, les gens sont pauvres? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, et puis il dit non, c'est notre allié. Mais il est votre allié, mais il n'est pas allié à son peuple. Parce que n'oubliez pas une chose. Eh Seigneur, quand il fait une vidéo là sur le de Paris, vraiment. Tandja Mamadou, l'ancien président du Niger, Tandja, avec Areva, qui a changé d'appellation maintenant, il a dit à un moment donné que mais on paye l'uranium du Niger à vil prix. Il dit qu'il faut qu'on augmente, n'est-ce pas, le montant. Il dit qu'il faut renégocier les accords. Il faut négocier les accords avec Jean-Luc Léo, avec la compagnie Areva. Parce que les Nigériens ne gagnaient absolument rien. Vous savez ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit qu'il faut qu'il vienne à Paris pour venir négocier. Il a dit, mais non, ce n'est pas possible. Mais c'est le client qui va négocier sa chose. Et donc, vous voulez acheter notre uranium, et moi, je vais m'élever pour venir du Niger pour venir encore négocier. C'est à vous de venir négocier. Sarkozy, il était en tournée où, là, en Afrique, je pense au Gabon, il a fait un tour au Niger pour aller négocier avec Tandja. Mais vous avez vu comment Tandja est parti, non? Parce que dès l'instant, les intérêts sont menacés là. Hop! C'est comme ça. Le Tazartier a voulu faire également un mandat de trop. Ils ont profité de ça en même temps. Hop! On a vu un jour, un matin, Sali Djibo, en béret vert, à la télévision, nous dit que Tandja Mamadou est parti. Donc, vous voyez, alors que Tandja, il a demandé qu'on puisse réécrire. Parce que même aujourd'hui, on parle là. On dit que la France a diversifié, n'est-ce pas, ses partenariats au niveau de l'uranium. Mais ils ont diversifié. Mais ils payent à quel prix au Niger? Demandez à combien ils payent avec les Kazakhstan ou quoi là, par le biais, n'est-ce pas, de la Russie. Parce qu'ils payent toujours l'uranium avec la Russie. Voilà. Demandez à combien ils payent ça et ce qu'ils payent avec le Niger. Il faut demander ça. Il faut renseigner vous les prix qu'on paye. Comment dirais-je, l'uranium au Niger et avec les autres pays là, vous allez voir qu'il y a un fossé. Et mieux, oh, le Niger a trop perdu. Comme le Niger n'avait pas de système de vérification, d'extraction de l'uranium, mais c'est Areva qui disait
aux Nigériens, on a eu 2000 tonnes. Donc, même s'ils avaient eu même 10 000 tonnes, 15 000 tonnes, c'est eux qui venaient dire la tonne qu'ils ont eue aux Nigériens. C'est-à-dire qu'ils vont extraire et après ils viennent dire non que, comment dirais-je, on a eu seulement que 1 500 tonnes. Donc c'est sur la base de 1 500 tonnes qu'ils vont payer. Mais s'ils ont extrait 10 000 tonnes, mais qui était là pour savoir ce qu'ils ont extrait? Est-ce que vous comprenez la supercherie? Donc il y a beaucoup d'intérêts qui sont en jeu. D'où on dit Bazoum est notre partenaire. Mais Bazoum n'a pas été présent démocratiquement élu. La démocratie n'est pas un sacerdoce. Ce n'est pas une religion. Nous sommes désolés. Ce n'est pas un sacerdoce. Qu'on ne vous trompe pas avec une appel de démocratie et parler donc à coup d'état comme ci, comme ça. La démocratie n'est pas un sacerdoce. Ce n'est pas une religion où tout est carré, tout est réglo. C'est dans les religions, la religion catholique, et comment le judaïsme, le catholique, et comment dirais-je, musulman, qu'il y a des règles qui sont régies. Il faut prier 5 fois par jour, tout. Il y a beaucoup de choses comme aujourd'hui, c'est l'ascension également. Rendre gloire à la Vierge Marie, tout. Donc, ça, c'est dans les religions. Dans les religions, comment dirais-je, catholiques, il faut baptiser, confirmer, tout. Ça, c'est dans les religions. Mais en politique, rien en mathématiques, la démocratie, 1 plus 1 n'est pas égal à 2. Je suis désolé. C'est pas possible. Donc, quand on nous vend pour dire que la démocratie, là, ce n'est pas vrai. Pour dire qu'il y a la démocratie, hyper démocratie, ce n'est pas possible. Qu'eux veulent nous transformer en Afrique. Vraiment, nous, cette démocratie-là, nous n'en voulons pas. La démocratie n'est pas d'intérêt. C'est-à-dire qu'eux, ils savent que dès l'instant, ils peuvent se remplir les poches. Et que le peuple tchadien peut crever, et le Nigérien peut crever la dalle, comme ils veulent. Parce que si vous-même, vous faites votre propre lecture, vous allez comprendre aisément que comment se fait que le peuple nigérien qui est à côté de l'Algérie et des autres pays-là, ces autres pays même sont développés. Allez-y, par exemple, comment dirais-je, en Libye, il y a quand même des immeubles, il y a quand même des buildings tout. Malgré la guerre qui s'est passée là-bas, comment dirais-je, en Libye. Vous êtes d'accord avec moi? Vous convenez avec moi? Mais il y a quelle infrastructure là-bas? Est-ce que vous les voyez donner des aides publiques au développement, comment dirais-je, à l'Algérie? Non, sérieusement. Vous les voyez donner des aides publiques au développement à l'Algérie? Mais allez-y demander l'aide publique au développement au Niger. On va vous parler de 400 et quelques millions de francs CFA. Mais est-ce que les ressources qui sont sous la terre du Niger ne peuvent pas combler sur ces aides au développement là? Si vraiment, ils vendaient vraiment au prix réel les minéraux, les gaz et les pétroles, si jamais ils vendaient vraiment. Je suis en direct, j'ai fini dans 5 minutes. Je suis en direct. Ok, attendez, oui. Allô? Je suis en direct. Je suis en direct. Ok. Et donc, vous voyez. Voilà. Donc, merci beaucoup, Constant, de taguer les gens. Et donc, il faut reconnaître qu'il y a une super chérie qui ne dit pas son nom. Je vais ouvrir une parenthèse très rapidement. Il faut piper les Burkinabés. Peuple du Burkina, j'ai un message très important à mon très cher frère Ibrahim Traoré. Nous avons reçu une alerte depuis longtemps. Mais elle commence à être vraiment très accentuée. On aimerait ici avertir le président Ibrahim Traoré. C'est important. Vous savez, pour avoir quelqu'un, surtout les hommes politiques, soit on passe par des stratagèmes, de séduction, soit on passe par l'empoisonnement, soit on passe par beaucoup de choses. Achat. S'ils veulent te corrompre, tu refuses. S'ils veulent, t'envoyer des valises d'argent, tu refuses. Soit ils vont passer par un de tes gars pour t'abattre. S'ils voient que tout ça ne va pas, ils vont passer par une chose que vous connaissez très bien. Dans les jardins d'Éden, vous savez que, merci beaucoup Constant Désiré pour. Dans les jardins d'Éden, Adam et Ève y étaient. Souvenez-vous de cela. Et Dieu a dit qu'il y a un fruit là, qu'il y a un fruit interdit. On va manger ça. Et on sait comment c'est passé plus tard. Mais si vous mangez le fruit interdit, vous allez voir, voilà. Et donc plus tard, quand ils ont mangé le fruit interdit, ils ont vu leur limité. C'est passé par la femme. Les messages qui viennent vers nous sont très inquiétants concernant Ibrahim Traoré. Maintenant, ce qu'il veut faire, c'est de passer par des femmes pour l'avoir. Puisqu'ils sont passés par beaucoup de stratégies, ils n'ont pas pu l'avoir. Ils vont passer maintenant par la femme pour l'avoir. Donc, j'aimerais ici adresser ce message-là
à tout à l'heure, j'ai fait deux podcasts à mon frère Ibrahim Traoré. C'est mais ça, mais j'ai fait une vidéo spéciale pour ça. Lui dire de faire très attention. Parce que les appels, et ce n'est pas la première fois que je reçois les appels pour dire non. Il paraît que même il y a une, je sais pas moi, voilà, il y a une certaine là-bas, certaines de Côte d'Ivoire qui défilent et qui veulent ne pas comment dire, les séduire. Je ne parle pas de notre jeune soeur là, c'est pas, il y a une qui, ce n'est pas elle que je parle. Mais il y a certaines personnes qui ont eu des notoriétés que j'ai reçu des noms, voilà, qui sont en train de faire, comment dirais-je, de faire des appels de phare à notre président, le capitaine Ibrahim Traoré. Non, c'est pas elle. Non, c'est pas elle. Non, non, c'est pas elle. Après, il dit que il y a une là. Non, c'est pas elle. C'est pas elle. C'est pas Lolo. Et donc, il faut faire très attention. Le capitaine Ibrahim Traoré. Je sais que ma vidéo sera vue et sera sue. Et nous allons passer les messages dans notre canal de faire très attention aux femmes. Parce que là-bas maintenant, ils vont essayer de la voir. Ces messages doivent être écoutés et entendus. Peuple burkinabé, envoyez ces messages là pour dire que sous le dit. Que le président, à son entourage et autres, de faire attention. C'est important. Parce qu'ils vont payer une personne pour séduire notre président, et puis nous, on va commencer à pleurer. Non, on n'a pas envie de pleurer. Et j'ai fait une vidéo ce soir pour lui parler. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais pas être long, mais je vais m'arrêter là ce soir. Quand je vais faire la vidéo, je vais l'interpeller directement, une vidéo de 15 minutes. Là, il y a une femme qui va envoyer vers toi là-bas, mon président. Il faut pas me. Tu es mon neveu. Je n'ai pas envie de pleurer ici un matin pour dire qu'on t'a eu. Parce que tu sais la position dans laquelle tu es, elle est très délicate. Elle est très délicate. Tu vois comment tu es dans la ligne de mire. Et tu connais comment quand un sniper tire, il ne doit pas louper, n'est-ce pas, sa cible. Voilà pourquoi je t'interpelle ici directement. Il faut faire très attention. Ou ils vont passer par affaire de femmes pour t'avoir. Parce qu'ils savent que, on sait, moi je sais que tu n'es pas quelqu'un de volage. Et par contre, tu es jeune, dans ce qui est normal. Et donc, tu as ta vie privée. Mais il faut faire très attention. Parce que là, il veut passer pour t'avoir. Il y a beaucoup de délits qu'ils ont eu à travers certains de nos sœurs qu'ils ont corrompus, qu'ils envoient comme des mercenaires. Tu peux tomber sur une femme, tu es amoureuse d'elle. Hein? Je suis d'accord avec ça. Mais par contre, vous faites très attention. Je tenais ici à te dire, tu es notre espoir, comme l'a dit Ninos Degré. Tu es notre espoir. Tu es vraiment la tête. Tu es dans une locomotive avec ton frère, le colonel Assimi Goïta, le chef de bord. Sans oublier. Le colonel Mamadou Doumbia, vous êtes dans une dynamique que l'Afrique tout entière épouse. N'en déplaise à certains charlatans qui vont raconter, n'est-ce pas, leur vie en disant que nous sommes les partisans des coups d'État. Ça, c'est leur problème là-bas. Autant ils sont les partisans des troisième mandat sanguinaires, mortifères et criminels, nous également, nous sommes les partisans, n'est-ce pas, de ceux qui font un changement radical et pour l'aspiration, les aspirations des peuples. C'est de ça qu'il s'agit. Si elle veut suivre des chefs d'État corrompus, vendus, des vassaux, et puis des couchers, des strampontins, n'est-ce pas, des impérialistes. Ça, c'est le problème. Et puis, on va dire que ça, c'est le bon chef d'État. Nous, on n'est pas d'accord. Nous, on veut un changement radical, mais pas un changement pour dire, non, qu'on va chasser Pierre pour aller prendre Paul. Nous voulons notre indépendance sans tutelle ou bien sous surveillance. Non, nous n'en voulons pas. Voilà pourquoi, vous qui êtes dans cette impulsion-là, avec tes frères, Mamadou Doumbia, et sans oublier le très cher camarade, le colonel Assimi Goïta, sans oublier le général Tchani qui vient de rentrer dans la danse, c'est pour les aspirations des peuples. On ne soutient pas les gens qui ont venu prendre les armes des aventuriers pour capter le pouvoir d'État parce qu'ils veulent s'enrichir. Non, non, non. Et vous-même, vous savez que nous sommes très drastiques, nous sommes très coriaces envers vous. Et c'est parce que nous avons jugé, nous avons tamisé, on a vu que non, vous êtes tellement sincères que non, il n'y a rien à dire. Voilà pourquoi nous donnons à bras le corps. Nous ne dosons pas en énergie, en puissance. Et comment dirais-je, en contribution pour vous. Voilà pourquoi il faudrait que cette dynamique-là soit toujours votre comment dirais-je, leitmotiv. Donc, les aventuriers qui ont venu par des armes pour prendre le pouvoir et puis contre les panafricains, ils se trompent éperdument. Ben, nous ne sommes pas des partisans des coups d'État. Nous ne sommes pas des partisans des gens qui vont se lever parce qu'ils ont envie de faire un coup d'État. Le matin, ils se lèvent parce qu'ils veulent devenir milliardaires ou tout. Et puis, ils vont commencer à dire, je suis panafricain, ce n'est pas ça. Quand tu rentres au laboratoire, nous, on te tamise d'abord. On mène à l'éprouvette. Des panafricains, si ça sort blanc, là c'est bon. Mais quand ça sort un peu édulcoré, ça sort un peu noirâtre, là, non, non, non. Celui-là, non, 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 c'est pas bon. Il faut que tu nous prouves, n'est-ce pas, sur le terrain. C'est ça qu'il s'agit. Quand le président Assimi Goïta a voulu, Ouattara a voulu les manipuler, nous avons deux présidents. Ah, monsieur le président, ils vont vous avoir, hein. N'a pas cru. Quand le président Assimi Goïta, mon vieux père Yves Deméon, quand le président Assimi Goïta
et Ouattara a appelé le Marmaillé. Nous étions là, on dit, bon, on va, on commence à dire au président, mais, hey, mais c'est pas bon, hein. Il n'a pas cru. Il est parti à Abidjan. Ils lui ont donné à Tchéké un poisson thon à midi, et puis après, ils lui ont donné foutu banane à la sauce graine. C'était près de Nassidji, tu avec les basses là-bas à Abidjan. Quand il a mangé ça, faut pas dépasser. Quand le président Simi Gauté a mangé, quand il est arrivé à Abidjan, il pensait qu'à Ouattara, tu es où. Il a envoyé seulement que les camions de boutons. Quand il a fait de Tabasiki là, il a envoyé un camion de moutons. On dit, aïe, on dit, c'est Assimi qui a envoyé. On dit, mais. On dit, aïe, mais attends, il ne connaît pas le vieux là. Et, non, c'était l'une des miels, tiens, bras dessus, bras dessous. Jean-Thomas, comment tu vas? T'as fait longtemps. Hein? Nous, on dit, bon, Aboulaye, nous, on dit, bon, on va commencer à sensibiliser. Et on voit maintenant que le président Assimi Goïta a changé radicalement. Mais Nassidji est monté jusqu'à dans le cerveau. Il dit, ouais, on a perdu notre président là-dedans. On a perdu notre président. On voit maintenant, il frappe, il arrête Ben Souk, il le met en prison. Il dit, donc il faut les rapatrier à Abidjan. Mais attends. Avant qu'il vienne au pouvoir, Ben Souk était tranquillement là-bas au Mali. Maintenant, les critères, non, on dit, manade d'arrêt international. Et puis, il arrête Ben Souk, on le met. Mais, il dit, mais c'est quoi? Mais notre gars. Et puis, c'est nous-mêmes, on a soutenu Assimi ici. Hein. Et puis, on dit, mais, ah, c'est bien pour vous, il va mettre vos gars en prison. On dit, non, mais il ne peut pas nous faire ça. Il ne peut pas nous faire ça. Dieu merci. Nous aussi, on a commencé à prier aussi notre Dieu. Don Donny. Quand ils ont bien attiré Assimi, ils ont cru que maintenant, ils l'ont eu là. C'est là qu'ils ont voulu faire le coup d'État pour enlever les Sadio Camara tout autour. Et puis, isoler Assimi et mettre bien positionné et Bandao. Ils ont vu clair dedans, ils ont dit, il faut quitter la tienne. Assimi a compris que non, le cas là, je veux. Il a coupé le poids Ouattara. Il a coupé le poids Ouattara complètement. Il a compris que. Ben, nous, on a dit non, président, non, non. Il dit non, 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 non. On dit non, que c'est la Côte d'Ivoire et le Mali. Comment dirais-je, nous sommes des partenaires et traditionnels. Voilà, c'est deux pays frères. C'est le langage là pour endormir là. Nous sommes deux pays frères, donc nous sommes bien. Ils ont fait les toasts au palais présidentiel. Mais aujourd'hui, la faute, quand il y a au président Assimi Goïta, quand Ibrahim Traoré est venu, quand il est venu là, lui-même l'a compris. C'est-à-dire que Damiba était bien parti, hein, sérieusement. Damiba était bien parti. Mais Damiba, ils ont pris Damiba, ils ont mis ce que le peuple disait. Damiba a commencé à. Non. Il a commencé à se braquer contre le peuple. Attends. Il a commencé à lever Tréhi. Il porte maintenant costume, le Winston. Avec le Rolex. Et puis on voit là, si en train de boire le champagne. Ah, ça quoi. Les Ibrahim Traoré sont au front. Et puis, ils envoient les messages à Damiba là-bas pour dire non, c'est chaud au front là-bas. Damiba, on le trouve, il est au Bénin. Eh, il sort dans le jet privé, tiens. Adama. Et puis, il est tranquille, sapé, quatre épingles. Mais c'est pas lui, il a levé Tréhi là, il a mis ça à côté. Hein? Il quitte là-bas, on le voit, il est assis avec Ebo Maf. Et puis on voit, il boit champagne, et puis il va comme ça. Et pendant ce temps, les Ibrahim Traoré sont au front, et puis ils sortaient de les caillarder comme des lapins. C'est là que Ibrahim Traoré et ce gars ont quitté le front pour venir prendre le pouvoir. Il faut dire au petit là, que c'est pas, il ne peut pas le coup de temps comme ça. Hein. Il va à Abidjan maintenant. Mon vieux père, Aston Martin, tous mes respects. Tous mes respects depuis United States of America. Il va à Abidjan maintenant. On dit, monsieur le président du Burkina Faso, à Ouattara, lui lance les éloges, lui fait les éloges. Damiba s'est oublié, tiens. Il s'est oublié. On dit, mais le jour qu'ils ont fait coup de temps, il était couché à Abidjan avec une femme. Et puis, ce qu'ils ont fait, Ils ont pris le soin de lui donner même une copine. Donc quand les Ibrahim Traoré appelle là, pour dire qu'il manque les munitions au front là. Donc, le gars est couché là-bas avec une assaillée sa tige à Abidjan. Donc ils ont pris le soin, ils ont donné une femme à Damiba. Damiba s'est oublié, une belle fille ivoirienne. Tchè. Elle lui fait les bons plats. Il mange bien, comme il aime bien boire le bain. On dit qu'il aime bien
comment dirais-je, les signons. Voilà, il aime bien les vins là. On appelle ça signon ou quoi là. Donc il a dit Daniba aime bien ça. Il boit au moins deux bouteilles. Donc elle finit de faire une bonne sauce avec bon, bien pimenté. Daniba est KO. Quand il vient me travailler, il envoie un message pour dire Dieu. Quand il finit, il ronfle. Il est en train de ronfler à Cocody ambassade. Il est couché là tranquillement dans le couette, maison bien climatisée. Et puis il gère le Burkina. Il est à distance. Donc, c'est dans ça que, Ibrahim Traoré a quitté, comment dirais-je, ils ont quitté, comment dirais-je, en brousse, pour venir jusqu'au palais. Maintenant, Ibrahim Traoré dit, on veut voir le président. On dit jamais de la vie. Aïe! Ils ont écrit des courriers, mais il est là, non, Ibrahim Traoré est là. Ils ont écrit des courriers à Damiba, sans réponse. Il appelle, c'est-à-dire qu'il s'est coupé, il s'est coupé de la base. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est sa garde rapprochée là qu'il a commencé maintenant à bien entretenir. C'est-à-dire pour lui maintenant le pouvoir là, c'est lui et ses gardes rapprochés, les donner pas des primes tout pour qu'il suive le palais pour lui. Basé pour lui, le pouvoir est au palais. Donc lui peut se coucher à Abidjan, tant que le palais est sécurisé, c'est bon. Donc les Ibrahim Traoré maintenant sont quittés au front. Il dit bon, on voit le président, on dit jamais de la vie. Attends, lui que nous avons mis au pouvoir là, nous avons des problèmes au front, on veut lui expliquer, on dit non, tu peux le voir. Ah ok. C'est là que Ibrahim Traoré a pris le pouvoir. C'est là qu'il a pris le pouvoir. C'est-à-dire que lui, ils l'ont mis au pouvoir. Il a commencé à manger les tartares, les entrecôtes, avec Talon, avec Bazoum. Il va, comment dire, chez Rock Makisa Kabouré. Il prend l'hélicoptère le matin. Non, il va chez Eyadema. Il prend l'hélicoptère, et comment dire, à midi. Non, à 11h, il va déjeuner à Lomé. N'est-ce pas? Donc Traoré a compris qu'il n'a pas intérêt à rentrer dans cette bourgeoisie-là pour dire que lui a... Damiba prenait l'hélicoptère de l'armée de l'air du Burkina, avec ce qu'il a fui pour partir, n'est-ce pas, au Togo, là. C'est ce qu'il prenait. On dit qu'il quitte le Kossiam, il quitte le palais, aux environs de commande de l'âge de 10 heures, on se dit qu'il va au front. Déjà cette direction, n'est-ce pas, Lomé. Il va là-bas, il y a Patrice, il y a Foy, il y a ceux qui l'attendent, son menu, on dit, mais on mange quoi ce midi-là? Il dit, non, vous me faites, du tartare, tout. Ah, ok. Avec quel vin? On dit, non, comme d'habitude, le chignon. Ben, là, il va se taper tranquillement. Pendant ce temps, les Ibrahim Traoré sont au front, en train de se faire caillarder comme des lapins, comme des pigeons. C'est là qu'ils ont pris le pouvoir dans la main de Damiba. Donc, mon neveu, tu peux pas prendre. Mais que les petits. Mon neveu, tu peux pas prendre le pouvoir comme ça, dans les conditions difficiles. Et puis, de la manière que. Ils ont enlevé dans la main de Damiba. Et ils vont venir parler de la main comme ça parce qu'ils vont t'envoyer une femme. Moi, je te dis, en tout cas, le soir, j'ai fait une vidéo, Inch'Allah, pour te parler directement, même ces 15 minutes. Faut pas t'amuser, hein, parce que où tu es là, tu es l'espoir de millions de personnes. Hein. Tu as vu ton discours qui s'est passé là-bas, comment dirais-je, capitaine, devant Poutine. Même si Macky Sall a voulu jouer, comment dirais-je, les Gangaba, mais n'est-ce pas, son recadrage, soi-disant, n'est pas passé. Parce que les Africains. Effectivement, tu as été notre porte-parole. Tu as parlé au nom. C'est que nous, on a. C'est-à-dire que c'est sorti de nos tripes. Les personnes âgées, les jeunes, tout le monde, toute classe sociale, comment dirais-je, tout âge, vraiment, tu as parlé en notre nom. Ça sortait. C'est-à-dire que quand tu parles, on dit que moi, j'ai parlé. Il y a mon doyen Yves qui m'a dit non, mais Soule, mais le petit, il est dynamique. Hein. Il y a ma tata qui m'a dit Soule. Mais c'est comme si ce qu'il disait, même, ça sortait de mon ventre. Tellement que les gens voulaient que. Et tu as parlé en notre nom. Ça veut dire que tu n'es pas coupé et décalé. Et tu es mouillé dans le peuple. Tu es dans le peuple. Tu attends toujours ce qui remonte. Voilà pourquoi les gens disent que tu es trop simple. La fois dernière, avec la fille, la Adja, celle la guérisseuse là. Voilà, tu as fait une sortie. Non, pour un chef d'État, oui, il faut comme ça. Un chef d'État ne doit pas être un mythe. C'est un être humain. Il ne doit pas se couper de la réalité. Parce que si vraiment il se coupe, n'est-ce pas, du peuple, c'est comme comment Alpha Condé a perdu le pouvoir. Alpha Condé, et vous expliquez pourquoi il a perdu le pouvoir pour terminer. Alpha Condé, à un moment donné, quand il a fait son troisième mandat, il a coupé les ponts avec toute sa base. C'est-à-dire qu'il faut avoir des bases, il faut avoir des personnes partout qui lui donnent des informations. Avant, il avait un téléphone portable où tous les Guinéens pouvaient lui envoyer les messages. Alpha Condé, à un moment donné, il a changé de numéro. Quand le cortège de Mamadi Doumbia est quitté,
Parce qu'ils ont quitté plus de combien de kilomètres de Conakry, hein, pour monter sur, comment dirais-je, sur Conakry là. La base pour l'informer. Mais tous les ceux qui étaient au pouvoir là, c'était devenu maintenant des embourgeoisés. Donc ils s'en foutaient maintenant de la base, tout, tout. Voilà, ils voulaient. Donc Alpha Condé achetait des téléphones portables. Et donc, c'est les canaux traditionnels qui lui remontaient les informations, ils étaient coupés de lui. Donc le coup d'État l'a vraiment surpris. Ça l'a surpris. Alors qu'avant, il avait des renseignements. Voilà pourquoi il ne faut jamais minimiser quelqu'un. Parce qu'on ne sait jamais qui peut te sauver ou qui peut t'apporter une info. Voilà pourquoi moi, quand on m'écrit là, sur mon téléphone de WhatsApp là, je réponds à tous les messages. Même si je dis bonjour, bonjour. Souvent, ce sont des informations qui viennent d'autres personnes, des anonymes, des personnalités tout autour, qui m'écrivent ce numéro là. Avec des numéros WhatsApp, je réponds. Il me dit, voici telle information, je vais laisser anonyme. Ok, j'ai compris. Et donc, toi, tu te coupes de la base. Tu te fies que c'est ton service de renseignement. Alors qu'eux-mêmes, ils sont dans le coup pour te déposer. C'est comme ça, Alpha Condé a été déposé. Donc, par exemple, Ibrahim Traoré, il faut continuer comme ça. Et c'est dans cette même dynamique. Je sais que tes RG sont sur mon téléphone, là-ci. Daniel connaît. Quand quelqu'un fait quelque chose, la chose, c'est pour lui. Ça, c'est David Bakadissa, mon président. Donc, le président Traoré, c'est que tes RG sont là. Voilà. Donc, l'information qui est là, il faut faire attention. Parce qu'ils vont passer par une femme pour pouvoir t'avoir. Parce qu'ils ont fait tout. Ils t'ont pas eu. Ils ont fait tout. Ils sont passés par tous les stratagèmes. Non. C'est maintenant. Ils pensent que tu es un homme en femme. Alors que tu n'es pas un homme en femme. Donc vraiment, ce côté-là, nous, on va veiller dessus. Non, on ne va pas te perdre. Hein. Parce que demain matin, on est parti comme ça pour 100 ans. Hein. Ton nom est. Nous, on va vivre encore 100 ans. Parce qu'on a 50 ans. Là, qui sait qu'on va vivre jusqu'à 150 ans. À 150 ans, il peut partir. Mais on va voir l'Afrique affranchie. Et on va voir le capitaine Traoré nettoyer bien la maison. Sécuriser bien le Burkina et puis nous serons fiers. On va aller à Ouagadougou, on va aller à Bobo, de la chose partout. On va aller danser. Burkina Faso, Longue Yomba, Mama Miwe, Faso Lomba, Burkina Faso, Yonga Lomba, Mama Miwe, Go Faso Yomba. On va aller jusqu'au Burkina partout, à Bobo, de la chose partout. On va aller danser, on va manger le taux, on va faire tout ensemble. Il faut que Ibrahim Traoré soit là. Donc, on doit vivre. Donc, président, on est avec toi. Affaire des femmes que j'attends que ça vienne. Et puis c'est beaucoup de personnes qui me disent, saoulé, faut parler à ton neveu. Il veut la voir. Faut parler à ton neveu. Prési. Et les ceux qui sont auprès de lui là, vous partez chercher les femmes pour dire que non, Prési, c'est là, c'est une belle fille. C'est la fille du cousin. C'est la fille de la tante. Ou bien c'est la fille de fille sérieux. Attention, laissez le monsieur lui-même jeter son dévolu si qu'il veut ou comme il veut. Ou bien des stars qui quittent ou encore d'Ivoire ou partout là qui viennent pour le séduire. Non, on ne veut pas. Si tu veux, tu prends une villageoise là-bas, c'est ton problème. Mais nous, on veut que tu sois en vie. Et même chose, tant que tu sais que tu es un paysan, tu l'as dit avant-hier, que tu es un paysan, n'est-ce pas, tu es élève, tu fais l'élevage, tout, tu es un paysan. Et donc, tu es un businessman, c'est-à-dire que tu fais l'élevage, puisque la loi autorise les militaires burkinabés à faire la culture, l'élevage, tout, tout. Et donc, au village là-bas, là, tu prends une là-bas, c'est une vigne connue. D'ailleurs, même, on sait que, bon, tout le monde sait que, voilà, tu as quelqu'un dans ta vie. Donc, vraiment, il faut te limiter à ça. Pas être président, il faut t'envoyer là, pardon, c'est notre trésor. Tu es notre diamant brut, notre diamant noir. Vraiment, on te prend, tu es notre œuf. Il ne faut pas que ça tombe dans notre main. Parce que si ça tombe dans notre main, tu vas avoir beaucoup d'AVC ici. Beaucoup d'AVC, beaucoup de crises cardiaques, beaucoup de suicides ici à cause de toi. Pardon. On ne veut pas ça, pardon. Il faut que tu sois là. Burkina Faso, Yonga Yomba, Tamami, Kofaso, Lyomba. On est ensemble. Bon après-midi. Ah oui, Ramatou, il faut qu'on parle à notre président. Burkina Faso. Donc, yomba, mama mi, eh, okofa, so yomba.